Aïe, 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 on est là. Oh, ces portes, ces bruits de portes. L'immersion comme... Alors... J'en ai parlé, traces de pneus, l'autre jour. J'en ai déjà parlé, en plus. J'en ai parlé il y a 3-4 jours. Je comprends pas tout cet humour autour du petit Grégory. Hein. Franchement, hein. J'ai même vu à la télé, alors je sais plus si j'en ai parlé en stream ou si j'en ai parlé avec mes potes. Je comprends pas. Je vois même des émissions à la télé où ils font des rébus avec le petit Grégory et où tout le monde se marre, etc. J'avoue que je suis un peu perdu parce que, enfin c'est, enfin je trouve pas ça ouf quoi. C'est pas une histoire il y a 200 ans quoi. Les parents sont encore vivants, etc. etc. Alors là je parle de la télé mais sur TikTok aussi c'est ouf hein. Sur TikTok il y a plein de mèmes et tout, enfin c'est un peu malaisant entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est giga chouette. Mais en plus, c'est une émission que j'ai vue qui passe à heure de grande écoute sur Canal+, pour pas la citer. C'était Kems, voilà. Pas trop bien compris le truc. Mais bon, voilà. Et sur, y a des gens qui rigolent de ça. Ah oui, complètement, Yoann Link. Mais tu peux aller sur TikTok, tu vois que ça, quoi. Tu vois que ça. L'immersion comme le Titanic, oui, voilà, c'est voilà. L'immersion comme le Titanic. Titanic, on peut. Après, pour TikTok, 1984, c'est le Moyen Âge. Mais c'est un peu une question de 1984, c'est que, enfin, les parents sont encore en vie, la famille est encore, enfin, je sais pas. Et l'enquête, et on sait toujours pas qui c'est, quoi. Parce que le Bernard, il est innocent. Suis à la morale pendant une minute et je déconne dessus. Putain, je suis vraiment... C'est vraiment terrible, hein. Ah, mais on... Bonjour Vast! Namasté, namasté. Avec le trait jaune, on voit pas nanani nanana. C'est 6h, c'est 6h. Non mais c'est vrai, on aura. Au final de cette affaire, on n'aura jamais su qui c'était. Et bonjour! Bonjour! Salut les filles! Très bien, vous, monsieur Samadeli? Bah ouais, ça. Vous avez changé de coupe de cheveux, non? Ouais, c'est des greffons. Ok. Qu'est-ce que. C'est vrai que. C'est bon, du coup, faut. Attendez, Enfin, oui. Ouais, du coup, vous êtes souciés, vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrés? C'est ça. Eh bah, vous avez bien fait. Oh, c'est rigolo, vos cheveux sont roses à l'intérieur. Bah, en fait, j'ai des mèches roses, oui. Ah, c'est des Bleu mèches et roses? rose. Même, même dehors? Ah d'accord, oh, je savais pas. Je croyais que c'était tout en bleu. Non, non. Ah d'accord. Enfin, bon sinon qu'est-ce que vous dites de beau là? Ben, on venait voir si tout allait bien et puis faire une petite fouille. Ah bah vas-y, fouillez-moi. Hein. J'en ai rien à foutre, hein, fouillez-moi. Hein. Vous avez des objets qui pourraient me faire mal. Ah rien du tout. Ok. Le couteau, vous l'avez eu ici ou c'est le vôtre? C'est le mien normalement. J'en ai pas, si. Ok. Et des fois ça arrive, t'inquiète pas. Ok. Ok, très bien. Bon, je peux aller planter mes courgettes? Vous pouvez. Et vous avez des collègues à vous qui sont réveillés ou pas? Ben moi je viens de me réveiller là et non, j'ai Ok. pas vu grand monde. Ok, ça marche. Parfait. Bah Et tout à ben, l'heure. bah, bon courage.
Et du coup, monsieur Savoldini, c'était vous qui vous êtes arrivé ici après le braquage que j'ai entendu hier après-midi, c'est ça? Le braquage hier soir? Oui, hier soir. Ouais, hier soir, ouais. Ouais, pourquoi? Non, mais pour moi, vous étiez un simple joaillier, c'est pour ça que j'étais un peu déçu quand j'ai entendu votre nom en radio hier. Voilà. Bah, on peut être joaillier et essayer de gagner sa vie par d'autres moyens, non? Oui, c'est sûr, mais vous voyez quelqu'un Non, plus mais vous avez un peu déjà été. dans l'honnêteté. Vous avez été. Vous avez déjà été joaillier, vous? J'étais mineur, oui, Ouais, bah, mais. t'as vu combien ça paye? Ah oui, une misère. Bah, une misère, voilà. Donc, oui, j'essaye J'aime pas de. comme vous aviez une belle moto et tout ça, je me suis dit bon, il gagne mieux quand même qu'en tant que mineur, donc. Vous savez, c'est la première fois que j'essaye de braquer une banque. Et c'est pas une Ah. réussite, hein. Et ça, j'y recommencerai plus, promis, monsieur le shérif. Ouais. Bah, le principal, c'est de reconnaître ses Bah erreurs. oui, je vais rester à la joaillerie. Ah Bon, bah, c'est parfait. bon, bah, nickel. Bon, allez, je vais planter mes courgettes, au revoir. Je vais essayer de pas. La prison, c'est vraiment horrible, putain. Et au revoir, monsieur Savoldelli. Prends pour un con, lui, hein. Ça, c'est pas une porte. Moumé, quel beau blond. Oui, attendez, parce que j'ai pas fait un truc. Bonjour Arnaud, bonjour, bonjour. J'ai vu la rediff d'hier et bravo pour l'audace. Bah en soi, qu'est-ce que c'est que ça? En soi non, la Pacifique s'est bien passée. Hein. La Pacifique s'est très bien passée. Bonjour Lucien. Bonjour Bassine. Bonjour Gunid. Bonjour Cooper. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc non, la Pacifique hier c'est très très bien passé. C'était super cool. Non mais au-delà de l'argent, Shin Ratsu c'est l'ensemble, l'action en elle-même, voilà. L'action en elle-même était super. Tu sais déjà combien vous avez gagné avec les mallettes? Ah, je sais à peu près HR... Oui, je sais HRP combien on a gagné. Enfin, même en RP puisqu'on a déjà, on l'a déjà fait une fois la Pacifique, donc je sais à peu près combien. Pas de gunfight, bonne action. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont trop curieux là. Ouais. Ah, ils sont trop curieux, il t'a raison. Sachez que c'est beaucoup. Sachez que c'est énormément, voilà. Ah. Dans la règle serveur, t'aurais le droit de tenter une deuxième évasion. Oui, Zarno, mais j'ai pas trop envie de la faire là en fait. Hier, ça m'a un peu. Hier. Là, j'ai plus envie de faire ma peine tranquille pépouze, tu vois. Tu vois, faire un peu de muscu, faire un peu les bras. Et si tu te fais reprendre, genre 12h? Non, je pense que ça reste à 7h. Je pense que ça reste à 7h. Parce que normalement, on a pris 5h. Normalement, on a pris 5h. Sachant qu'on était resté en cellule et tout, le SPD, quand ils nous ont mis en fédé, ils ont décompté le temps de cellule. Donc ça faisait que 2 heures et quelques au final, je crois, 2 heures, enfin je sais plus exactement, presque 3 heures. Et
Et sauf que quand on se fait attraper par les shérifs, ils nous mettent la peine initiale. Ah, merci mec. Ah, il est là! Ça va, toi? C'est Joseph. T'as bien... peut-être dans le cul, là. Hein. Ah, t'as bien dormi? Oh, pff, bof, hein. T'as eu la gueule des plumards. Ah oui, bah oui, mais... Je travaille dur, hein. Ouais, bah, je vais travailler dur aussi, je pense. Ouais. Bon, ouais, à toutes. À toutes, ouais. Et donc, du coup, ils nous ont mis la peine initiale, donc de 5h fois 1,5, 7h. Vu qu'on a tenté de s'évader. Voilà pour les explications. C'était marrant à 4. Les malandrins, ça dégage. Les malandrins, ça reste en fédé. Bah, après, d'un point de vue complètement RP, c'est vrai que là, ça dissuade de s'évader quand même. Là, tu te dis bon. Bon. Et si on peut s'évader? On peut encore s'évader, mais bon. Je vous avoue que. Que bof, bof, bof. Hein. Je veux pas dire, mais quand tu t'évades tout seul, tu réussis à chaque fois. C'est vrai, pied bouché. Enfin, 6h, ouais. Je sais plus combien c'est. La plus longue cavale que j'ai faite. C'est 2h ou 4h? Je sais plus. Donc voilà. Et donc le Bernard, il est innocent ou pas? En vrai, parce que du coup on saura jamais. Hein. Je relance là-dessus. Mais non, mais voilà, pour revenir de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est terrible parce que du coup on saura jamais qui, on n'aura jamais eu le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'on l'aura un jour? Peut-être que quand des gens vont mourir, des langues vont se délier. Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est terrible, hein. C'est terrible, terrible. Comme Ligonès. Tout à fait. Après de Ligonès, ça fait beaucoup moins longtemps donc. Donc bon. Peut-être que dans quelques années. C'était toi, Marv? On a une stin! Y'a des stins là! Y'a joué en vrai, y'a Marverick! On sort l'Orbiron! Y'en a pas un troisième? Si, y'en a un là-bas. C'était toi, Marv? Et les shérifs, c'est pas eux? Les shérifs, ils t'ont paniqué? Putain, j'espérais tellement que les shérifs, ils te renversent! Ça aurait pu sauver. Ça aurait pu sauver. Ma course-poursuite! J'habite à 2 minutes de chez Ligonès. Mais non, l'Orbiron. Mais oui, il habite à... C'est de Nantes, l'histoire, là. T'as témoigné? T'as fait un truc? T'as vu quelque chose? C'est un de tes potes, Pixel? Mais non. Nope, pas touché. Putain! Putain! C'est vrai, Reader? Non mais vraiment? Non mais tout le monde se connaît. Alors Reader et Pixel, vous êtes potes?
Merci RKF. Merci beaucoup pour Xavier Dupont de Ligonnès. Merci énormément. Le monde est petit, hein, bah ça. J'habite dans le même pays que les Gonesse perso. Moi j'habite à 700 bornes. J'habite à 700 bornes de les Gonesse. On est bien là, non? Vous voyez, vous parlez de Nantes, vous parlez de vos histoires de cheveux. Nanani, nanana. Oh, vous êtes pas mal. Je vous rappelle, parce qu'il y a un peu plus de monde, j'ai dit en début de stream, mais je vous rappelle que cette nuit, il y aura une rediffusion exceptionnelle de Francis Cuc, jour 6, le meilleur jour, hein. Un stream de 11h à peu près. Ça va être incroyable, c'est incroyable. Je serai là, mais je ne parlerai pas pour vous laisser en immersion dans le RP. Et ce sera fou, ce sera fou. Il va vraiment faire ça? Bah oui. Bah oui, en fait, Neya. Pourquoi? On peut pas? Pour tous ceux qui n'ont pas YouTube, effectivement, Zarno, effectivement. Comment ça, les quotas? Comment ça, Torpen, les quotas? Mais non, mais rien à voir. Non, mais rien à voir. Ah non, mais alors là, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. Bah non. Quand faut pointer, on trouve. Je serai là, mais je parlerai pas, il y aura pas la cam. Et si vous entendez des ronflements, c'est pas moi. Ah non, non. Après, vu que le jour 6 fait... Ah, si, j'ai oublié une petite précision. Vu que le jour 6 fait extrêmement débat, si vous voulez. Parce qu'il se passe énormément de choses dans le jour 6. Le chat sera en emote only. Pour éviter que ça déborde, qu'il y ait des débats, etc., etc. Au cas où, ouais, au cas où il y a des débats... Du spoil pour les autres joueurs. Du spoil. Eh oui, hein. Des bas et des hauts. Hein. Ça évitera le juge RP. Mais oui, oui. Très polémique cet épisode. Un choix risqué. Eh, on aime le risque des tricks, hein. On aime le risque, hein. J'ai mal à l'œil du coup. Et il y a des gens, The New Yorker, il y a des gens sur cette planète qui n'ont pas vu le jour 6. Et je le rappelle, j'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit, le jour 1, pourquoi pas, mais le jour 1 fait 4 heures. Et du coup, vous savez que quand on est streamer, on fait un travail... Un travail que vous voyez pas, un travail de l'ombre. Du coup, j'ai regardé le jour 1, dure 4 heures. Je me suis dit, bon, ouais, il est pas mal. Et j'ai regardé l'intégralité du jour 6. Et je me suis dit, ah ben non, le jour 6 est incroyable. 11 heures de rediffusion, le jour 6 est fou, fou, fou. Donc, du coup, let's go, jour 6. Hein. Ah ouais.
Du coup, avec cette annonce, j'hésite fortement à laisser le PC allumé toute la nuit avec le son minimal. Ah bah franchement, tu peux, hein. Tu peux, hein. Chez moi, le jour 1 fait 7h20. Ouais, 7h20, ouais, le jour 1, 7h20. Mais pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, tu vois. C'est le premier jour, on prend ses marques. Nanani, nanana. Salut Maître Loutre, salut Bermico. Les experts disent même que ce jour-ci se ressemblerait à un best-of de 11h. Une seconde de silence pour... Non, mais je ferai nuit blanche, notif, hein. Je ferai nuit blanche, hein. Ah oui. Je ferai nuit blanche. Je vais me sacrifier pour vous. Le problème du jour 1, c'est le mec qui change la bobine pour mettre le jour 2 quand c'est fini. Hein? De quoi Torpène? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Salut Billy Laporte. C'est reparti pour de nouvelles aventures magiques. Ah bah complètement. Jour 1, c'est celui qu'on retient. Excellent trêve de Nalise. Excellent. Celui qui s'efface. Et re, j'avais une petite réu pour parler. Mais c'est quand là? C'est fin septembre, non? Quand est-ce que tu déménages à l'hôtel? Tes copains. Ça va, Denis, tu vas changer ton pseudo encore? On a pas marre. Non, non, Mentos. Non, non, non. Quand tu me remplaces. Septembre le départ. Oh bah c'est bon. Oh bah c'est large. Un petit karaoké? Quand tu me remplaces. Je connais plus les paroles après. Malheureusement, je ne suis pas dispo cette nuit. Une rediff de la rediff prévue pour que je puisse voir le jour 6? Ah, on va étudier ça, mais je pense que. En vrai, je pense que non. Je pense qu'on sera bien avec cette rediff. Je pense, après, je me trompe peut-être. Peut-être qu'on en fera des autres. Ah oui. Ah, El Federal. Quand tu le retiens. Quand tu me retiens ou quand tu le retiens? C'est vrai, Notif, je vais créer un channel Discord si tu veux. T'as raison. Le jour 6. Il s'appellera le jour 6. Une idée du montant du butin, oui, on. Beaucoup. Des millions. Des millions. Des millions. Bonjour Norbert.
On est bien là quand même. Bah, franchement, ça je pourrais le faire tout le temps, non? Ça fait 7 jours, non? De quoi, Shady? Salut, Shady. Ah oui! Ouais, ça doit faire 7 jours, Shady, t'as raison. Mais attends, on va regarder après là. Attends, on va regarder. Parce que je crois qu'il y en a là, c'est bon, ça fait 7 jours, et caetera. Je crois que ça fait 7 jours que je t'ai dit la perte du VIP ou pas? On est quel jour, mercredi? En vrai, ouais, il y a moyen. Hein. En vrai, ouais. Pourquoi sur RPZ, vous disiez juste seulement prison et fédéral, une différence? Oui. Pourquoi, je ne sais plus. Il y avait une raison, hein. Ah, Zabulon, utilise une petite roue. Oh, une petite roue sur le jeune Shady. Shady. Ah oui, je sais, oui, j'ai pas de pseudo. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh mais Shady, quelle chance incroyable! Merci Zabulon pour ces 49 990 bananes. Bien investi, merci beaucoup. Alors on disait prison, parce que on était dans l'optique de... La fédérale, en fait, sur Félix, c'est quelque chose de grave. T'es obligé de jouer le Fear Fédé, on appelle ça. La peur de la fédérale. Vous voyez, hier, par exemple, un négocié que Bishop, il se balance pour faire moins de fédéral. Comme ça, ça nous... comment dire... Voilà, ouais, on joue la peur de la fédérale pour y passer le moins de temps possible. Sur RPZ, on disait prison parce qu'on était plus dans l'optique de la prison, de pas garder les gens en garde à vue en fait. De pas faire comme sur Feli à garder les gens en garde à vue pendant une demi-heure, 45 minutes. Et de. En gros, on arrête quelqu'un, on l'emmène en prison direct. Sans que ça passe par un commissaire. Naninana. Alors, oui, on demandait toujours au capitaine. On met une heure, deux heures, ceci, cela, mais. C'était en fait c'était pour qu'il y ait énormément de trafic, on va dire. Enfin, de trafic. De circulation à la prison. Voilà pourquoi on faisait prison. Joseph Savoldelli, joaillier, vendeur d'armes et maraîcher avant tout. Donc oui, ça n'a rien à voir avec... Ah salut toi. Donc oui, ça n'a rien à voir avec la fédérale. Et donc l'évasion sur Félix, c'est facile de s'évader, mais la cavale est compliquée. La cavale est compliquée puisque sur... Alors pareil, puisque vous parlez de RPZ, mais sur RPZ, il y avait beaucoup moins de policiers. Et tous les policiers, on était tout le temps occupés sur quelque chose. Les évadés, si on tombait dessus, bah voilà. Mais... on n'avait pas le temps de les rechercher vraiment. Donc sur Feli, l'évasion, que ce soit sur PZ ou sur Feli, l'évasion est simple. Hein. Faut juste looter et s'évader. Après, c'est la cavale sur Feli qui est beaucoup plus compliquée. Parce que des moyens sont mis à des moyens sont engagés pour qu'on te retrouve, etc.
etc. Sauf si t'es un électricien compétent avec toi. Ouais. Ça, les électriciens, c'est quand même un peu. Toujours cru dans. Toujours cru aux électriciens. Je sais plus où j'en suis là. Et maintenant, il y a toujours de la police. Hein. Maintenant, le serveur à 180 slots. Il y a quasi tout le temps de la police hein, sur le serveur. Mais non, Coco. Salut les camps. Salut Coco, merci beaucoup pour retirer un 10e mois d'abonnement. Merci énormément, Coco. Merci beaucoup. Les flics et les shérifs utilisent la même prison? Oui, oui, c'est la même prison. C'est pour ça que ça s'appelle fédéral aussi. Parce que le SPD, je crois, les droits sur la prison aussi. Alors qu'elle est sur le. Alors qu'elle est sur les terres, elle est sur la propriété des shérifs. Je crois. Je joue le retour d'un VIP. Oh là là, Pampan, c'est beau ce qu'il fait. Il essaye. Il essaye. Mais non, tes copains. Ah! Eh bien c'est une heure, Pampan. C'est une heure. Merci, Pampan. Merci beaucoup. Merci énormément, tes copains, pour les 13 abonnements offerts à la chaîne. Merci pour Nimea, Percastor, Raxi, Bastio, Raoul, Roland McDam, Soran, Rutowski, Bardaz, Gawen, Le Storm, Odrogus et Roriste. Merci énormément tes copains, merci beaucoup. Ça sent la bonne roue, ça. C'est la roue sur qui? Bonjour Takumi. Merci énormément tes copains. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tout ça. Oui voilà, la fédérale n'est pas le bon terme. C'est plus une prison d'État. Voilà. Tu lances une roue sur qui tes copains? Pro la barre jaune overlay qui permet de pallier le temps restant. Vous êtes insupportable. Hein. Voilà, vous êtes content là. Bonjour, voici ma candidature au FC Banni sur moi-même. Ah. Live Pro. C'est qui ça, score ça? Ça, c'est rigolo. Il y aurait plus de joueurs, ça serait cool un RP. Oui, mais non, Chica, tu peux pas, c'est. Qu'est-ce qu'il a dit, pied bouché? Attends, Geek, soit en faire ta roue. Il y a tes copains aussi qui ont une roue. En vrai, tu pourrais rester en prison et farmer de la radio. Dans la question, t'as la réponse. En vrai, tu pourrais rester en prison et fermer de la radio. Il y a un joueur il y a très longtemps qui est resté une semaine, une vraie semaine en fédéral sur Félix, il y jouait plusieurs heures tous les jours.
inmates on drug charges, you might be our paid care a little longer. Vous voulez qu'on le fasse une semaine là? une semaine, non, vous voulez qu'on le fasse une demi-heure? Je vous montre comment ça peut être intéressant. Bon, tes copains ils lancent pas de roue là ou pas là? T'es insupportable tes copains. Non Dream, si tu fais pas de tâche, ça reste tel quel, ça descend pas. Ah sur Horty t'as dit? Ah j'ai pas vu, pardon. Ah sur Horty. Et la petite roue sur Horty. Petite roue sur Horty, bonjour Asean. Asean, je sais pas comment on dit. Il se fait engueuler en plus. Mais non mais c'est insupportable. Et après on fait la roue sur Geeks. Oh 10 minutes. Putain on a failli faire tourner la roue. Oh. Bon allez, 10 minutes pour Horty, ça va. 10 subs bien utilisés encore une fois. Et j'ai cru à la grande roue, moi aussi j'y ai cru hein. Et la Geeks qui postule le FC Bani, donc qui veut 12 heures. Et qui sera gracié. Ah cette roue est incroyable hein. Elle fait vraiment tout ce que vous voulez. Bonjour Swifty. Encore une roue sur moi, Sawanami. Oh là là, c'est beau ça. Bah, dis donc. Ça, c'est toutes les bananes qui sont réinvesties suite aux prédictions, aux dernières prédictions de ces jours-ci. Et t'es grassé. Cinq minutes pour Sawanami. Elle fait quoi la grande roue? Sachanax, elle fait quoi la grande roue? J'ai jamais vu du coup. Elle est là la grande roue. Elle est là la grande roue. C'est 20 subs hein Sachanax hein. C'est 20 subs hein. Ah oui hein. C'est 20 subs pour faire tourner la grande roue. C'est 20 subs pour faire tourner la grande roue hein. Donc vas-y hein, tu veux comme ça tu verras hein. Ah oui hein. La roue est trop bien gentille aujourd'hui. Ben j'avoue que... C'est Mitsuke. Salut mon fanboy Shade. Ah oui d'accord, bah si je trouve un gros billet au sol, pourquoi pas, oui. Est-ce que sur la grande roue, il y a une case où tu peux retomber sur, il y a une grande, plus grande roue derrière? Crazy time. Non, non, c'est la grande roue, c'est fini après. Eh oui, non. OMG, tes copains, merci. Oh. Ben merci de remercier les subgifters, hein. Merci beaucoup. Crazy time. Un genre de gigarou en fait, ouais. Ce serait même plus moi qui fais tourner la roue, ce serait Victoria Sylvestre. Un genre de truc comme ça, non? 20 subs, c'est un plein de carburant. Oh, c'est rien. Oh. Un plein d'essence. Pour la grande roue. Il y aura des roues pendant... Alors non, les roues seront désactivées pour l'immersion de Staki. Pour l'immersion, bien sûr. Ou Philippe Risoli, oui. Qui arrive et qui jette le micro. Speka, mais oui. Qui a besoin d'essence aujourd'hui?
Vas-y Bishop, on finit, je crois. Je crois. Salut Balta. Est-ce que Maman ou Tonton ont aussi prévu une rediff du jour 6 cette nuit? Non, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Et non, Madame Macari! Arrêtez avec vos conneries, on va arriver au sub goal là! Merci beaucoup, Madame Macari. Merci énormément pour les 10 sub gifts offerts à la communauté. Une deuxième chance pour Geeks. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Allez, Geeks, on y croit. Merci beaucoup, Madame Macari, pour les 10 subgifts offerts à la communauté. Merci énormément. Aïe, 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 aïe. 6 heures pour Geeks, du coup. Ah, le pauvre. Le pauvre. Ah. Merci beaucoup, PK, pour le tiers, hein, premier mois d'abonnement. Bienvenue à toi. Merci énormément. Merci beaucoup, PK. Jusqu'ici, la roue était clémente, pourtant. Oui, mais... Elle est encore clémente, hein. Elle est encore clémente. Sacré sportif, Joseph, hein. Eh, attends, tu crois quoi? T'as vu ce qu'on a couru hier? Ah, mais putain, ouais. Tellement déçu d'avoir cru en roof pour les derniers bêtes, j'aurais eu ma roue large sinon. Ah. Il sera des bonnes pour la rediff, la chance. La chance. Non, il a pas de courbature, Jojo, attends. Un sportif, Jojo, hein. C'est un sportif. Est-ce que le nom était trouvé au hasard ou est-ce que Saudi s'est fait exprès? C'est les deux, Aizen. Fin live 24h du coup? Non Benny, non non non. Bah non Benny. Non il y en a 6. Enfin 7 avec le pilote de bateau. Ils sont sortis. Imaginez-vous. Parce que je vois que l'argent ça vous intéresse fortement. Imaginez-vous que hier on était 10 dans le braquage en tout. 8 braqueurs et 2 pilotes de bateau. Imaginez-vous que s'il y en a 2 qui s'en sortent du braquage, les amendes de tout le monde, etc. sont remboursées, il y a un petit bénéfice. Non, il y avait un. L'hélico attendait. L'hélico en fait était garé au casino. Je sais pas combien on a gagné, enfin si je le sais très bien, mais vous verrez par la suite quand on vendra les mallettes, etc. etc. Oh là là! Oh là là! Ben, on s'en fout complètement des sous, hein, en plus. Mais ça, j'ai dit 20 fois running. Hein. Quasi sûr que Waddle il le sait déjà. Waddle, c'est à cause de lui que je me fais choper hier en plus. Il m'appelle au même moment. Ils ont triangulé mon appel, les shérifs. Je me demande s'il m'a pas balancé. Attends que je sorte.
un indice dans la rediff du fameux épisode 6 cette nuit. Skefrep, merci beaucoup Skefrep. Merci énormément pour le deuxième mois d'abonnement. On tire un. Namasté Nariel, namasté. Oh Nariel, t'es au courant les deux nouvelles d'aujourd'hui ou pas? On va les redire hein. Il y a eu deux grandes nouvelles aujourd'hui Nariel. Tu viens d'arriver, t'étais pas là? Des nouvelles Nariel, des annonces importantes. Première annonce, première mauvaise nouvelle. Le swipe up sur Instagram Nariel, c'est terminé. C'est terminé le 30 août. Du coup, ça va être remplacé par une petite pastille qui sera réservée au compte à plus de 10 000 abonnés. Plus de swipe up. Plus de swipe up. Plus de swipe up. Fini de swipe up. Du coup, un peu déçu. Un rêve, du coup, qui ne sera jamais réalisé. Un peu mon monde qui s'écroule autour de moi. Voilà. Et deuxième grande nouvelle, Nariel, attention, t'es prête parce que là, c'est une sacrée nouvelle quand même. Là, là celle-là, depuis tout à l'heure dans le chat, je peux te dire que tout le monde est un peu hypé comme Jaja. C'est normal, c'est normal. Après tout, c'est normal. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Hein? T'es pas prête, Nariel? T'es pas prête, Nariel, hein? Vragdouche, merci beaucoup pour le quatrième mois. Merci énormément pour le terrain. Bonjour Zakadi. Swanami, merci. Oh, c'est beau Swanami, merci, merci énormément pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le terrain Swanami. Merci beaucoup. Accroche-toi Nariel. Cette nuit, aux alentours de minuit, 2h du matin, une rediff incroyable va avoir lieu. Le jour numéro 6 de Francis Cuc. Une rediffusion de près de 11h. 11h. 11h, c'est cadeau. Le jour 6, alors... 11h, Nariel, 11h. 11h. C'est ce qu'on disait, en fait. Le jour 1, il y a quoi? Il y a 6-7 heures, je crois. Le jour 1 est pas ouf. Le jour 2, pareil, 4 heures, pas ouf. Le jour 3, pareil, pas ouf. Mais le jour 6, 11 heures. 11 heures, il se passe énormément de choses, etc., etc. Et donc, il y aura donc la rediffusion sur le stream, Nariel. Et pour une immersion totale. Dans le RP, je ne parlerai pas moi en stream là, derrière l'écran. Je serai comme ça. Et je regarderai en même temps. Et aucun commentaire ne sortira de ma bouche pour l'immersion du RP. Et oui. Comment ça raclure? C'est une blague? Comment ça raclure? Moi c'est un cadeau que je vous fais, dit dame. Tiens, va voir là. Tiens, bah tu seras pas là pour l'ardif. Voilà, 24 heures de ban. Tu pourras pas parler pendant l'ardif, voilà. Chez. Du coup, je vous laisserai en immersion totale. Avec l'ardif. Hein. Peux-tu me dire qui t'a donné cette idée? Ils sont plusieurs. Que j'aille le... Oui, félicité. Et donc, bien sûr aussi, hein, pour des soucis Nariel, pour des soucis de juge RP, de backseat, de spoil pour les autres viewers, le chat sera en emote only. Hein. Eh oui. Hein. Eh oui, comme ça, il n'y aura pas de spoil. Eh oui. 11h d'emote only, Nariel. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent,
Il y aura un channel sur Discord ouvert. Hein. Mais comment ne pas offrir 10 subs devant cette annonce? Ah, je sais pas, Maria. Que 10? Je sais pas. C'est inédit dans le monde entier. C'est. Bah, et puis en plus, c'est le. Vous le dites depuis le début, c'est le jour 6, quoi. Donc. Le jour 6. C'est-à-dire que ce soir, vous allez voir. Marius Rotarez. Vous allez voir Bill Boyd. Vous allez voir Le Yinche. Vous allez voir MC Coma. Vous allez voir Chloé Sterling. Vous allez voir Panis. Vous allez... Oh là là, je. Ça va être incroyable. Oh, ça va être incroyable. Vous allez voir Zerator. Vous allez voir. Oh là 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 là. En jeu. Super qualité. Oh là. Il a beaucoup de couteaux sur lui. Bon, je vais, c'est pour faire des légumes. D'accord. Ouais. Pour éplucher les patates. Baby. Ok. Oui, bah, les légumes. Oui, seul, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez oui. bien? Oui, ça va, ça va. Et vous? Vous allez bien? Oui. Bah, oui, super nickel. Qu'est-ce que je vous ai fait? On finit la fédérale et on arrive. Hein? Il parle fort, l'autre, là-bas. Oui, parfait. Insupportable. Parlez fort, monsieur Thorne, là. Hein. Et alors? Je disais, à votre avis, vous pensez qu'on est venu faire quoi? Oh, je comprends rien quand il parle, moi, lui aussi, là, c'est insupportable. Qu'est-ce que... C'est pas facile. Qu'est-ce que... Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter. Oh putain. Oh. Est-ce que vous pouvez écarter les bras, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vas-y. C'est votre bague de mariage? Non, je suis pas marié. Jolie bague. Merci, c'est gentil. Je peux laisser les bras ou pas? Non. Ah non, pas la encore. Montre là, c'est. Ah, c'est ma montre! C'est ma montre, ça. Tenez, regardez, elle est là sur mon bras gauche. Oui, j'ai pas. C'est une Rolex. C'est au possibilité, t'as agression sur agent, ça j'en connais, hein. Comment ça, agression sur agent? Vous avez laissé vos cigarettes. Ouais. En prison. Ouais, bah l'autre monsieur aussi, il a trop paquet, c'est le des gros fumeurs. Vous ferez rien à le fumer, vous, ça vous déboucherait le naseau, non? Eh ben, mais bon. Je vais vous déboucher 24. Quelque chose, moi, vous allez vire. Bah, vous allez me déboucher quoi? Qu'est-ce qui se passe, c'est désagréable, monsieur, c'est grave. On vient des gentils. Gentil, mais c'est bon, y a déjà l'autre avec ses cheveux bleus et le blondinet qui sont venus tout à l'heure, là. Bah, l'autre avec ses cheveux bleus. Ah, oui, ils sont passés nous voir déjà. Ah, c'est gentil de leur part. Ouais, c'est bien aimable, oui. Et bon. Bah sur ce. Bon, c'est pas tout, faut s'y aller. Je plante les aubergines, moi, tiens. Ouais. Doucement sur les cailloux, hein, vous faites pas mal. Ouais, vous inquiétez pas. Ouais. Allez. Ouais. Au revoir. Au revoir. Oui, bon. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, on a croisé un de vos collègues là, il y a 5 minutes. C'est vrai, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il est pas très bien, il s'est fait faucher par une comète safari. Ah merde, putain. Oh, Encore. T'es qui? Enfin, je sais plus. On savait plus. Et puis vous avez mis un PV à la comète safari du coup? Oh, ça je sais pas, c'est pas moi qui étais sur là. Ah d'accord. Vous êtes avec votre collègue. Ah ok. Bon courage. Au revoir. Putain. Salut Oliver Statson. Salut Persica. Il y aura des pauses pub quand même, 11h sans pause, je sais pas si je vais tenir, je sais pas Ultra, je pense pas. Je pense pas qu'on fasse de pause plus. Je crois qu'il y a ton bureau qui va défiler là. Je sais pas. Peut-être, hein. Non, on fera pas de pause pub. Hein. Pour l'immersion, en vrai, vaut mieux rien toucher. Hein. Vaut mieux laisser tel quel, hein, pour l'immersion. Si je loupe, je regarderai la rediff Twitch. Pas de Félix ce soir du coup, non. Non, Shepard. Ah non, hein. Si je stream toute la nuit... Attendez...
Je vais pas pouvoir streamer ce soir. Et après enchaîner sur 11 heures de rediffusion. Sur YouTube, Ezer. Ah oui, Nariel. Ah oui, oui, oui. Ah oui, fais ça, ça va être incroyable. Les gens full perdu. Mais. Ça recommence ? J'ai loupé les annonces. Ça recommence ? Béni, on le fait pour la passion, on le fait pas pour ça, surtout ce soir. Je suis en train de me dire que 12 heures de fête c'est quand même hard. En vrai ça passe vite. Regardez, il nous reste en fait là le décompte est à 2 heures. Mais il nous reste en vérité 1 heure et demie. Je crois, un truc du genre. Ah non, 2 heures et demie. Je sais plus. Ah non, ultra, hein, spoil pas hein. Ah non hein. Je vais juste dire quelque chose. Directement dans les yeux du linge. Oh, je vais juste vous spoil sur la fin du jour 6. C'est là où il y a Bauer, le détective privé, qui nous attend pendant 2 heures au commissariat. Salut Nimea. À 5 heures du mat. Ouais, voilà, c'est ça. À 5 heures du mat. Vous êtes toujours là? Bah oui, mais dit d'attendre. Mais mec, ça fait 2 heures. Mec, ça fait 2 heures. Je reviens seulement, vous avez enfin eu la bonne nouvelle? Nimea, tu n'as pas eu la super annonce. Ah bah je vous laisse annoncer, hein, c'est bon, parce que là ça fait 5 fois que je l'annonce. Hein.
En vrai, je troll. Je fais ça en me disant qu'il y aura 30 spectateurs. Tu vas voir que vous allez être 300 ou 500. Salut Lyon, super. Et du coup, mais du coup, je ferai un chaîne sur Discord quand même. Tu joues à 2h, t'as trouvé la fin de la boucle? J'ai fini le jeu deux fois, Lyon, super. 13 minutes, j'ai fini le jeu deux fois, j'ai fini avant hier. Sur une fin que personne n'a fait en fait, sur un truc que j'ai un peu trouvé tout seul. Et j'ai refini hier. Eh ouais. Alors par contre hier j'ai regardé vite fait Kamak. Du coup c'est rigolo quand même quand t'as fini le truc, que tu sais comment ça se passe etc. Et que tu vois le streamer galérer. Ah putain mais je comprends pas. Ah putain mais pourtant j'ai fait ça. Bah non en fait. Bah non en fait c'est simple. Ouais c'est compliqué. Du coup pour ce soir va falloir mais non j'ai pas backseat mais non du coup ce soir va falloir trouver un titre hein. React immersif jour 6 de Francis Cook. Je pense que c'est bien ça. RPZ saison 2. Inédit. Inédit. Un truc bien putaclic, quoi. Ouais. Ah ouais. Je sais plus Nariel. Je sais plus. Je sais plus Nariel. Arrête, tu vas me ramener dans des histoires. Je vais encore me faire. Arrêtez de parler de ça, s'il vous plaît. Mon nom a été oublié. Mon nom a été oublié. Je vais encore me faire insulter par des milliers de personnes. Oh, 48 minutes!
48 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Une heure, vous voyez, en fait, 7 heures de fédé, ça équivaut à 1h15, 1h30 de task. C'est le moment de s'évader. J'attends d'une minute. Je suis hype de ouf alors que j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait ce soir. Alors attention, c'est pas ce soir, hein, c'est cette nuit. Hein. Ce sera à minuit, 2h du matin hein, dans ces eaux-là. Hein. Oui, oui, c'est ça, Nariel. Un peu plus d'une heure. Et j'irai 1h15. Sans RPZ, je serais toujours à penser que j'étais RP, c'est nul depuis je regarde que ça. Pas de Weevee demain alors. Bah, ça va être compliqué, Ridor. À moins que je trouve la force. Ce qui serait incroyable, Eridor, c'est que je trouve la force à la fin du jour 6 de streamer. Ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Avec le temps restant... Non, Nariel, c'est parce qu'en fait, si tu fais rien... Tiens, regarde. Alors, je ne vais rien faire. Si je ne fais rien, on reste à 39 minutes. Il n'y a que si tu t'évades que t'es dehors que le temps découle du coup. Le temps s'écoule. Mais si je fais rien, ça bouge pas, ça reste tel quel. Ça on leur a jamais dit. Ah si, nous on le disait tout le temps. Hein. Vous avez fait vos tâches, faites vos tâches. Oui, peut-être. Peut-être, ça se peut, oui. Parce que sinon, parce qu'en fait, la fédé avant, en fait, avant que ça marche comme ça, t'avais, tu pouvais faire des tasks, donc ça t'enlevait du temps. Si tu restais comme ça, sans rien faire, le temps s'écoulait. Mais si tu faisais pas tes tasks, alors les tâches n'étaient pas les mêmes. Genre, on te disait, va planter des légumes. Donc il fallait aller planter des légumes, et là, ça te retirait des minutes. Si on te disait va planter des légumes que tu y allais pas, on te rajoutait des minutes. Mais il suffisait. Mais c'était vachement tranquille, ça te donnait une tâche toutes les 5-10 minutes. Du coup tu pouvais être AFK, tu pouvais rien faire et puis des fois ça buguait, ça s'écoulait tout seul, enfin. 36 minutes il me reste. Ah ouais, ah bah putain, il me reste 2 heures. Combien? 2 heures. Mais t'avances pas toi. Il y avait avant l'épluchage de patates. Il y était l'épluchage de patates? Avant? Je crois pas non. Si, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Si si, ah ouais. Putain, je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que c'est que cette commande? Je m'en rappelais plus de cette commande là. C'est quoi cette commande? Je m'en rappelais plus. Il y a une explication RP au fait que les peines durent quelques heures. Bah oui, c'est le temps. Le temps RP va plus vite.
C'est vrai, je m'en rappelle plus du tout de Ralak. Regardez, je fais une tâche. Il reste 24 minutes. Ça descend à 21. Peine de 10 ans de fédé, amuse-toi bien dans ton RP. Après, par exemple, hier, nous, on était 4. Les brokers se sont fait arrêter dans le nord. S'ils avaient été en fédé, ils étaient 8. Ça aurait pu être incroyable. Hein. 4 WPMC, 8 brokers. Ça part en couille. Hein. Je sais pas du tout, Persica. Je pense que ce qu'ils ont fait, ça méritait pas la fédérale. Mais sinon, non, je pense que les joueurs, ils feraient justement exprès. Enfin, si t'as l'occasion de le faire, tu le fais. Hein. Et shérif, tu peux le faire, tu le fais. Hein. Et puis tu regardes après. Parce que là, s'ils sont 8, nous on est 4, c'est pas trop les malins. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Sylmestra? Je vois que ça farme les heures de stream avant le 31. Comment ça, Sylmestra? Ça veut dire quoi, ça? Ah non, mais si tu veux, moi je stream pas. Hein. Je peux cut là. Hein. Ah non, mais. Là que je me fais encore accuser à tort et à travers. C'est insupportable. Ça dégoûte ce genre de commentaires. Alors que ce soir, tu leur offres 11 heures de RPZ. Cette nuit, Sylmestra, je offre 11 heures de RPZ. Du jour 6. Et je me fais encore critiquer. C'est insupportable. J'ai fini, moi. Ok. Tu peux me laisser tout seul, Joseph. Ah, tu veux que je t'attende? Non, bah non, non, vas-y. T'en as combien de temps? J'ai un couteau, je vais me débrouiller. D'accord. Bon, bah tiens, il me reste. Je vais faire l'appel et c'est bon. Ok. Bon, je viendrai te chercher, Lucas, si tu veux. Ah, c'est gentil. Ou j'enverrai un prospect. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. À tout à l'heure. Il reste combien de temps là? Il me dit 2 heures encore. Ok, d'accord. Un épisode inédit de RPZ, mais oui. Mais oui, Zarno, c'est exactement ça. Oh.
Ah, Silmestre, il dit plus rien là. Hein. Ah là, depuis qu'il a appris que. Qu'on offre 11 heures. T'as pris combien de temps de fêter? 7 heures. 7 heures, Red Dead. 7 heures. 7 heures. 7 heures. 7 heures, Red Dead. Sept heures. Genre... Hein? 7 heures, Red Dead. Tu veux bien arrêter de dire Red Dead? Et dire Red... Red Dead, 7 heures. 7 heures. Alors c'est pas ce soir hein. C'est pas ce soir Zarno, c'est cette nuit. Ah! T'es fou ou quoi? Dégage de là putain! Ils m'ont pas vu? Putain, chais. Cette nuit. Non, 7 heures. Et cette nuit, c'est 11h. Celle-là, je la kiffe de bagnole, elle est tellement stylée. Je sais pas, Nariel. Je pense pas. Hein. Je pense pas parce que il y a juste le jour 6 en fait qui est assez incroyable. Après le jour 7, c'est 4 heures, c'est pas ouf, tu vois. C'est. S'il doit y avoir un autre épisode, ce sera encore le jour 6, Nariel, pour bien analyser du coup. Oui, voilà, voilà, voilà. Pour en fait une première découverte et ensuite la compréhension. Une deuxième fois la compréhension. Au cas où l'immersion ne serait pas totale. Si le stream bug, on te réveille comment? Mais je serai là, hein. Non mais je serai là, hein. Je... Enfin... Oui. Ah oui. Bon, c'est bon, vous avez fini? Je peux remettre la barre en bas là? C'est bon? T'as plus de temps et tout là. Bonjour. Yo, me. Yo. Ça va bien? Ça va et toi? Qu'est-ce que vous faites? On retourne au Ryan. Je vous aurais bien dit, je vous emmène, mais j'ai qu'une place. Ouais, t'inquiète. Donc, du pas coup. On va marcher un peu. Bah ouais, ouais. Ouais, bon courage, hein. Ouais, c'est bien. Merci. On est libre.
on est libre. On est libre pour la ville, Lyon, super là. Hein. On est libre et même pas échappé. Il y en a même qui disent l'avoir vu Donalise, vu, oui, attention à ce que tu fais quand même. J'en veux plus de ce sac. Il est drôlement lourd. Mais merde. Oh tiens, je vais m'habiller comme ça. Ça me détendre. Un téléphone. Merci beaucoup Muldouze. Troisième mois d'abonnement. Merci énormément pour le tiers. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fout avec des sacs d'argent? Téléphone. Je sais qu'on en a là. Mais c'est une blague. On a plus de téléphone. Chut. Ah si. Hop. Un. Hop, voilà, ça c'est bon. Après. Putain, on a tout perdu quoi. Couteau, cran d'arrêt. Et tutti quanti quoi. Canoncier. Fusil, canoncier. Hop. Hop. Quel bordel dans cette armoire. Ouais, c'est insupportable. C'est insupportable. Hop. Qui c'est qui klaxonne là? C'est rigolo. Putain. Faut qu'on reprenne à boire. S'attaque. Hop, voilà. Ça c'est bon. Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va, vous faites quoi? Bah, on bosse avec Devon là. Ok, que à deux? Bah, on est que deux donc. Ok, qui c'est qui est en ville? Qui c'est qui est sur l'île? Moi je suis en ville, Julie sur l'île. Ok, tu fais les allers-retours? Yep. Bah, on va les faire, je vais les faire avec toi, les allers-retours, non? Ouais, ça ira plus vite. Ouais. Ça a été hier du coup? Bah, ouais, nous ça a été nous, hein.
Tu raccroches, t'as dit quoi, non? Là j'arrive au camp. Ah, t'arrives au camp, ok. Oh, bah attends, je vais m'habiller, je vais sortir la moto, pas tout de suite. Ok, à toute. Hop, hop. J'en peux plus de vous le chat là, j'en peux plus la clé machin. Oh là là. Hop. 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 Garage, hop. Pour le plus beau des bikers, hop. Oh merde, ça calait. Ça calait, merde. J'ai à le recommander. Ok. Après, il y a des zones quand même. Je lui dis feu ? Il n'y a plus de lui feu, ouais. Je vais l'appeler pour lui expliquer vite fait. Ouais, ok. Vas-y, bah, à toutes. À quoi, à toutes ? Tu vas là ? Bah, ouais, je vais y aller, bah, je vais y aller, mais doucement quand même, là. Qu'est-ce qui s'est passé du coup hier, hein ? Bon, nous, on est rentrés tranquillement, quoi. C'est vrai ? Bon, on s'est barré en bateau avec Hector. Oui. Et nous on est parti à gauche, puis les filles qui nous ont perdu quoi. Ok, et sur le bateau il y a Hector et Wyatt, non c'est ça? Ouais c'est ça, ouais. Ok, donc il y en a deux qui sont barrés en bateau et les quatre autres en hélicoptère. C'est ça. Ok. Et sur l'hélicoptère, ils ont pas eu de soucis? Non. Ok. Non, ils ont pris du coup, ils sont barrés, et puis les filles les ont perdu quoi. Ok, d'accord. Bon, du coup on a sorti 371 mallettes je crois. Bon ça va en vrai. Ça. Ok. Ok. Bon, on verra. De toute façon, on va peut-être pas les revendre tout de suite les mallettes. Ouais, on verra bien de toute façon. Ouais. On attendra d'être plus. De toute façon, oui, non, on est pas pressé. Par contre, ça serait bien de faire un petit tour quand même chez HDS. Je crois que j'ai 1300 sacs chez moi. Ouais, bah j'en ai un peu aussi. Chez moi, j'ai des objets et des sacs. Yep. Faudra peut-être faire un tour ce soir. Ouais, vas-y, ok, ça roule. Vas-y, à toutes. Vas-y, à toutes. Bah Lucas il se démerdera pour rentrer hein, on est pas assez là. Hein. C'est terrible hein, je sais, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ça fait un petit pactole à 1 million la mallette. À 1 million la mallette, tu vois, Akema, on est pas loin d'une demi-milliard. Hein. Voilà, c'est parti, faut travailler quand même. Hein. Si on a fait les cons, on a fait les cons. Ça fait chier parce qu'on peut pas faire jouer la concurrence. HDS sont tout seuls alors les objets. Donc en fait. Ils me disent c'était le prix, on dit non, ils disent bah ok, cool. Ok, c'est bien. Non, on rigole, c'est pas 1 million la mallette. Hein. Troll.
Hi there. Déjà au travail malgré un braquage superbement réussi hier. Ah oui, on s'arrête pas. Hein. Hi there. On s'arrête jamais. Hein. On sait pas, vous verrez combien ça vaut. C'est pour ça qu'on dit que ça vaut 1 million. Arrêtez de vouloir savoir combien on a gagné d'argent et tout, on s'en fout. Tellement pas chez Dino. Bonjour Mix. Merde. J'ai jamais tenté de ressortir par là. Ah yes, ok. Merci beaucoup de T-Rox, au fait, je sais pas remercier de T-Rox. Il y a 10 minutes. Merci énormément pour le 7ème mois d'abonnement. Pour le tir 1. Sinon, agent 90 sur le délit, la fédérale s'est bien passée. Très très bien passée. Un pur plaisir. J'étais tranquillement devant un autre stream et là je vois tes copains qui m'offrent un sub. Merci à lui. Merci énormément. Je comprends pas que tu sois devant un autre stream, Père Castor. Hein. T'as qu'à dire que tu m'aimes pas. C'est ça. Ah
Ah oui, c'est ce que j'ai compris, oui, c'est un peu ce que j'ai compris, hein. Je sais pas trop comment faut que je le prenne, ça, mais bon. En plus, il a même pas utilisé son prime, mais oui. Merci beaucoup, Audrey. Merci énormément pour le deuxième mois d'abonnement. Re-bienvenue à toi. Berlu. Je préfère un stream plus audio quand je taffe, c'est tout. Non mais c'est bon, je cherche pas à te justifier non plus. C'est bon. Ça m'a saoulé là. Mais non mais il regarde Amourante, Père Castor, c'est clair, non mais... Le pire c'est que c'est ça, hein. Le pire c'est qu'il regarde Amourante, hein. C'est exactement ça. Toi, Joseph ? Bah oui, et toi ? Bah oui, hein. On va aller au boulot, là. Tiens, je vais aller sur l'île, tiens. Merci d'avoir envoyé le prospect. T'inquiète. Mais parce qu'il travaille, il est sur l'île, lui. Ils auront pas les couilles comme toi, hein. Ah, ok, ouais. Oui, Joseph. Ouais, Tu vas tout de suite ou pas, là ? Non, juste si je peux, voilà, commencer à remballer à 45. Eh ben, mais tu me... quand tu veux, quand tu veux y aller, tu me dis et je viens te... tu viens me chercher au champ de pétrole. Ok, ça marche. Et puis, marche. Et puis moi, je reprendrai ton hélico. Ok, ça marche, okay. Pas de problème. Vas-y, à toute. Bon bah, en moto, Lucas, là ? Ouais, je vais me changer. Ouais, et puis merde, hein, je vais pas me justifier non plus. Non, mais pas de soucis, Père Castor. Je vais faire regarder à Mourante, on a bien compris. Franchement, on est pas là pour juger. Hein. On est vraiment pas là pour juger. Tu regardes ce que tu veux pour te concentrer, pas de soucis. Après, j'ai bien compris qu'il fallait peut-être que j'achète un micro en stéréo. Vrai que je pourrais tenir comme ça. Peut-être que je le fasse les après-midi pour les gens qui travaillent. Achète une caméra et ne la revends pas au pire. Nagiel. Hein ? Ah, une vraie... Tu parles d'une vraie canne, Nagiel. Attendez, parce que... Pour tout vous dire, je suis en pourparler. Ouais, je vous dis, vous savez, je vous dis tout le temps toute la vérité, je suis en pourparler. Mais du coup, ta moto, tu vas en faire quoi quand tu vas partir en hélico, là ? Je vais la ranger, connard, et puis je vais piquer une autre moto, et puis je vais y aller en moto volée. Bon, ok, je vais chercher la bécane. Bah oui. T'occupe pas de moi, va, t'inquiète pas. Je sais réfléchir encore, hein. Ouais. Ce pauvre Lucas. Et qui se mêle de ses affaires lui aussi, il est insupportable. Pour parler de racheter une com à la Fédération Française de Ski Cross. Non, non, elle est bien là-bas, elle est bien là-bas. Elle est bien là-bas, celle-là. Tu peux recommander, hein. Ah, faut que je commande du coup, ok. Tu commandes et tu dis feu à Achille et à Devon. Ok. Elle est très bien ta cam. Non, elle est pas très bien. Elle est moyen bien. Regarde. Elle a pas une qualité superbe. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est moyen bien.
Là, il n'y a pas toute ma beauté, il n'y a pas tout... Vous voyez, je vous éclabousse pas de ma lumière et de ma beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Peut mieux faire, voilà. Elle fonctionne, c'est déjà ça, ouais. C'est moi ou il a pris un peu le berlu? Hein? Comment ça, c'est une blague? Comment ça j'ai pris? Mais non. C'est une blague? Il a pris un peu de poids, comment ça? Mais non, regardez, je veux même pas de double. On y va? Ah mais tu vas tout seul, moi j'ai remplacé Devon sur l'île. Ah du coup tu l'attends. Okay. Ouais. Je suis en train de me peser. Mais non. Faudrait que je demande à Juice pour faire un peu de sport. Ça nous regarde pas, de toute façon tu peux avaler 10 plaques de beurre par jour. Ah bah merci Chabi. Oh ça fait plaisir ça. Oh. Paix et amour, namasté bien sûr. Namasté. Ah, faut laisser comme ça, Takumi. D'accord. C'est Lucas qui recommande avec toi, du coup. Et moi, je vais remplacer Devon sur l'île. Ça marche, ça marche. Okay. Vas-y, à toutes. Je penserai à ton namasté demain dans l'avion. Pourquoi tu vas où, Lyon Super? Vous savez que depuis qu'il y a le délire du namasté, le namasté je le vois partout. Alors on l'a vu dans The Office l'autre jour. Et je l'ai vu dans Bienvenue à Zombieland 2. Alors qu'avant j'y faisais pas attention. Ils doivent sûrement te copier. Bah certainement, Nariel. Ça m'étonnerait même pas. Hein. Quel modèle pour l'humanité ? Toujours rien reçu, Nariel. Hein. Je commence à m'inquiéter là. Je commence un peu à m'inquiéter pour tout avouer là. Ah merde. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur Cayo Pelico. Alors alors on va voir ce que ça donne, hein. Euh,
apparemment la vente des cuirs cartonne en ce moment, tout ça pour faire des cosplays de Soleil Lille dans toutes les conventions de France. Le problème c'est qu'on peut... Vous êtes toujours dans l'exagération. Mais si Poséidon, tu vas voir. Poséidon, laisse-toi porter. Installe-toi, regarde. Regarde, Poséidon. Nagel, t'es vraiment un con. Mais c'est affectif hein, quand je dis ça, je me suis peur. C'est toi, Nagel, qui avait dit un jour, Saul Davis, c'est typiquement le genre de mec, si tu le croises dans le métro, tu t'assieds pas à côté de lui. T'assois pas à côté de lui. C'est un peu vrai. C'est typique. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi à ce que je... j'ai réussi à ce que à peu près je voulais en faire. Ça roule bien ça hein. Ça roule bien. La XR c'était la première moto de... Non, il y a eu la Rad Bike avant. C'est la, on va dire, la première vraie moto de Savol Daily. Après des mois et des mois de Rad Bike. Oui, il n'y en a pas eu qu'une de Rad Bike, c'est vrai. Oui, Ouzbek. Si, Ridor, je l'ai croisé hier, c'est lui... Non mais ça, hier, incroyable. Hein. Incroyable timing. Hein. L'électricien de l'autre jour, pendant la cavale, il est devenu médecin. Et c'est le médecin qui est venu m'examiner avant de m'emmener en fédéral. Tiens, 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 monsieur, ça vole des lits. Ça fait plaisir de mettre un visage sur un nom. Ça monte ça ou pas? Ouais, je suis sur la colline en haut des champs de pétrole, donc tu viens quand tu veux. Ok, ça marche, bah j'attends le dernier compte et... Ok, ok, ça roule. Si c'est pas pour nous, j'arrive. Merci. Ça marche, à tout de suite. J'ai braqué un broker, cela vite fait, pour info. Ah bon, pourquoi faire? Bah en fait, il s'est posé à côté de moi, donc je savais pas trop ce qu'il voulait et...
Et il voulait juste me parler, il m'a dit ouais, reste pas posé là, il y a une caisse pas loin. Okay, ok, ok, ça marche. Ok, voilà, d'accord. Rien de méchant. Ok, d'accord, rien ça marche. Et dans le doute, j'ai pris la K, quoi. Oui, oui, ok, ça voilà. Roule. Pas de soucis. À toutes. Dans le doute, je vais te tuer. Dans le doute, bon. Ça, Moumé ? Mais non, Walouk, je suis en train d'envoyer un SMS. Putain, j'ai envoyé des SMS plus longtemps. J'ai envoyé des SMS plus souvent, dis donc, ouais. C'est dingue, ça. Merci beaucoup, Walouk, pour les 10 subgifts offerts à la communauté. Merci, merci énormément. Merci beaucoup. Merci pour Waikiki. Mikao, Stefiu, Rewi, Bullmax, Tessia, Tosho, Zou, Thomas Von, merci énormément, Walouk. A chaque SMS 10 subs, c'est vrai? Bah attends. Attendez, il y a un avion. Ça part sur l'île, ça. Je reconnais. Merci beaucoup, Walouk, merci énormément. Walouk, t'as gagné une roue, hein. Walouk, t'as gagné une roue que tu peux utiliser sur qui tu veux. Et qu'il est con. Attends, je renvoie un SMS. Walouk, tu as gagné deux roues que tu peux envoyer sur deux personnes de ton choix. Attendez, je renvoie un SMS tout de suite. C'est incroyable. Ah, je vais renvoyer un message. Hein. sur qui, Walouk? Sur qui? Tellement de roues, bah c'est deux roues. Hein. Pour les 10 sub gift offerts, merci beaucoup Asean ou Asean, je ne sais toujours pas. Merci énormément pour les 20 sub gift offerts à la communauté. Merci infiniment, merci beaucoup, merci énormément. Asean a le droit à la grande roue, effectivement. Du coup, il y a la grande roue, il y a la grande roue. Mais attends, on attend Walouk, hein. On attend Walouk avant de faire tourner la grande roue. Une roue pour Mix, d'accord. Donc la première sur Mix, et vas-y. La deuxième, Walouk. C'est parti. Mix, ça dégage. Déjà dans un premier temps. Hein. Déjà. Oh! Attendez, on a besoin de la VAR là. Ah, c'est 5 minutes, hein. C'est 5 minutes, non? C'est 5 minutes? C'est 5 minutes, hein, c'est pas 2 heures, hein. C'est 5 minutes, hein. Soyez juste, s'il vous plaît. Soyez juste. C'est 5 minutes. Soyez juste, s'il vous plaît. N'en rajoutez pas. S'il vous plaît. Je vois bleu. Ouais, ouais, c'est bleu. Hein. Et deuxième roue.
Un des deux pour la prononciation me va, d'accord. Alors, ASEAN, ASEAN c'est mieux, non? Il l'a dit, ah j'ai pas vu. Il a dit qui? Ouzbek. Ah, ça fait plaisir. Allez, 6 heures pour Ouzbek, ça dégage aussi. Allez hop, 6 heures pour Ouzbek. Y'a pas besoin de la VAR là, c'est bon hein. Vous avez bien vu, c'est bon. A tout à l'heure Ouzbek. A tout à l'heure, à cette nuit. A cette nuit Ouzbek. Et il nous reste la grande roue à faire tourner. On la fait tourner tout de suite. On la fait tourner tout de suite. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait tourner. Oh là là, il me manque mon micro stéréo là. Ah bah chais. Ah bah chais en fait. Ah merde. Ah bah je suis désolé Asian. Ah bah chais. Il est où? Ah merde, il est en bas. Yep, je suis là. Ok, ça marche, tout de suite. Ah pardon, j'étais un peu plus haut. Ouais, d'habitude on se pose ici. Ouais, tiens, je veux bien ton AK. Ouais, parce que du coup j'en ai pas pris. Elle est à Tyler. Ok. Voilà. Nickel, merci. Bon bah, allez, à toutes. À toutes, il y a le plein. Ok, merci, nickel. À toutes. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas... On n'a pas piloté un hélicoptère, hein. Attendez, parce que Caio Pellico lâche pas le manche. Regardons, on voit l'île là-bas au loin. Pour Caio Pellico, il faut il faut la playlist là. Attendez parce que là. Une petite prédiction sur le crash de l'hélico, comment ça? Et comment ça, dans quel monde en fait? Allez, let's go. On n'entend rien. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a le bruit de l'hélico. Là, c'est mieux. Berlu est un professionnel chat. Non, non, Romain, non, non, ça porte malheur, ça. Hein. Arrêtez, ça porte malheur.
En fait, il y avait deux musiques l'une sur l'autre. On se pose où là-dedans là ? Caio Bellico ! Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu hein. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Quel plaisir, ça n'a pas changé ici hein. Minutes donc ça va tomber. C'est quand la fin du farm sur Caio? Je ne sais pas. Je vais pas vous dire parce que je ne sais pas. LS, ok. Tu quittes une prison pour une autre, super. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, je suis à Caillou, tiens, ça vient de tomber à l'est. Ok. Du coup, ça a été hier? Ça a été compliqué, mais ça a été. Pourquoi ça a été compliqué du coup? Bah, parce que le shérif il a fait un peu mettre des hommes autour du camp. C'est vrai? Ouais. Hmm. Bon, on l'a baisé, hein, t'inquiète pas. Hein. Comment ça vous l'avez baisé? Vous avez été plus tard? Un, on y a été plus tard, et deux, les mallettes, on les a pas forcément ramenées tout de suite, quoi. Ok. On va dire qu'elles ont transité. Ok, d'accord. Par contre, les mallettes, faut essayer de négocier quand même. Oui, j'y pensais. On s'est dit, est-ce qu'on les renforce tout de suite, est-ce qu'on les renforce pas tout de suite. Puis quand j'ai regardé le prix qu'on les ramenait, ouais. Je me suis dit, on va peut-être les garder, et puis j'attendais que tu sois là pour qu'on aille peut-être voir pour négocier avec Stan. Ouais. Et Bah essaye de l'appeler au pire, voir cet après-midi. Yep, je vais faire ça. Et puis parce qu'on a pas mal d'objets aussi hein. J'ai Cody qui m'a dit qu'on avait la blinde de sacs et de tortues, de conneries du genre. Et moi aussi j'en ai chez moi. Des objets, okay. Des sacs. Y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui on doit récupérer 1000 de mètres. Ouais. Parce qu'hier on n'a pas pu récupérer du coup. Ouais, et donc? Donc ce soir ça va être une putain d'organisation hein. Pourquoi? Bah parce que c'est 1000 de mètres, c'est 10 personnes. Oui, non mais on a des 4x4, on a des véhicules, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, non mais c'est une organisation quoi, c'est tout. Bah non mais c'est bon, ça sert à rien de mobiliser 10 personnes pour 1000 de mètres. Non mais dans l'idée je te dis ça représente 10 personnes, si tu les mets sur des personnes. Oui mais ça sert à rien. Oui on est d'accord, mais ça va dépendre du monde qu'on est aussi. Oui non mais tu vas à 4 burritos ou 4 machins et puis basta. Oui, on a plus le burrito de Jackson, hein. Ouais, oui, non, mais il y en a encore. Enfin, tout le monde a des véhicules, Hector. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est pas ce que je suis en train de dire, de te monter le bourrichon tout seul et écoute un peu ce que je te dis. Oui, j'ai bien compris. Il y a 1000 de mètres. Ah là. Bah oui, ok, d'accord. Bah écoute, d'accord. Bon, je te laisse parce qu'il y a Achille à côté de moi, là. Ouais, ok. Il y a 1000 de mètres. Eh bien. Salut, et pack. Non, on n'est pas du tout dans le business des tortues, non. Non. Enfin, on a des petites mains qui nous en revendent et tout, mais non. On est plus dans le business d'armes, tout ça. 1002 mètres, ça fait 1 km. Ça fait moins d'un kilomètre deux, hein. Donc, merci encore énormément et je suis désolé à Essan pour cette roue hein. Et c'est la roue qui décide hein. Et merci énormément pour les subgifts, 1432 subs Francis Cuc sur Waze. Plutôt que prévu peut-être. Aïe.
Aïe aïe aïe. La drogue, vous en faites quoi? Bah, on la donne à des petites mains, à des gens qui la vendent pour nous, quoi. Y'a eu le feu là ou pas? Oui, y'a une minute. Je vais peut-être paraître bête. Mais qu'est-ce que tu dois faire dans le jeu? Alors, est-ce que tu connais le RP ou pas, Delta? Pas du tout. Non, on peut pas faire du porte-à-porte avec. Oui, un peu. Et ben voilà, ben j'incarne un personnage qui est président d'un club de bikers, qui est vendeur d'armes sur le serveur, et donc voilà. Et donc là, on farm en fait. Il y a des caisses d'armes qui tombent sur l'île là et en ville là-bas. Donc là, ça bug, on n'a pas la map, mais il y a des caisses d'armes qui tombent en ville ici et sur l'île là. Il faut les récupérer. Le but c'est de trouver des électriciens et c'est gagné. Et aussi on est joaillier de père en fils, c'est vrai. C'est vrai. C'est la même map fail. Y'a pas d'instance ou. Enfin je crois pas. Je ne pense pas. Et là, en même temps, il y a les brokers qui sont là. Donc ils se font livrer des caisses aussi. Les brokers sont le même business que nous, ils sont vendeurs d'armes. Ça a changé Fortnite, ils ont vu la DA ouais. C'est ça. Tous les business illégaux ont deux gangs ou non? En gros oui, c'est le but Thor. Merde. Merde, merde, merde.
Quelle belle île. Tu trouves? Tu trouves? Ouais. Pas toi? Allô? Ouais, Joseph, t'as récupéré? Ouais, j'ai récupéré là. Je vais au champ de pétrole. Ok, vas-y, je relance. Là, j'ai écrit. Ouais, j'en ai écrit Rush là. Ah, ok. Ouais, il va pas envoyer. Vas-y, bon. Ok. Ouais, je relance. A toutes. A toutes. Non, vrai, honnêtement, l'île, oui, l'île est belle. L'île est belle. Mais c'est un peu. C'est un peu chiant, entre guillemets. Là, j'y vais un peu, tu vois. Mais des fois, tu peux rester. Regarde, Devon y était avant. Et il a pas une caisse qui est tombée en une heure de temps, quoi. C'est pour ça que Hopi, par exemple, il pêche en attendant. Hop, voilà pour toi. Merci. À tout à l'heure. Zerbandine. Ah oui, c'est sûr, faut savoir s'occuper quand il va. Bah moi ça va, vous êtes là. Alors j'ai de la chance. Parle d'une chance, comment ça veut dire quoi ça? Comment ça? Ah oui, si c'est de la chance. Les caisses, non, elles sont pareilles avec Inox. Non, elles sont pareilles. Salut Godlou. Oui, il a un papier quand il discute avec tous les autres joueurs. C'est même pas un papier, c'est un livre, Ilo. Super, on est là que quand tu te fais chier. Oh, arrêtez, c'est pas ce que j'ai dit non plus, ça y est. Danny Carter. Tu plein d'essence? Oui, c'est normal, Narco. Parce que toutes les roues ont été épuisées aujourd'hui. Toutes les roues ont été faites. Oula, Vico, là, tu me poses des questions. Moi, j'y connais rien. Là. Une meilleure qualité? Une meilleure qualité, Vico?
Enfin, y a rien de sûr. Hein. Ah, vous savez, je suis un petit streamer. Hein. Y'a pas de 70-30, y'a rien de tout ça avec moi, hein, vous savez. Je suis un peu le rebut. Ah, ça fait longtemps, vous mais. Ah, tes copains, voilà. Voilà, tes copains, ton usurpateur de, d'identité. LS, ok. Je croyais que cela avait changé comme règle. Bah, on attend toujours, Glias. On attend toujours les nouvelles règles. Hein. Vous avez raison, je vais envoyer un petit mail. Ça fait un mois que j'en ai pas envoyé. Oh, c'est pas faux. Ça dégoûte. Ah bah, je suis dégoûté, Xias. Je te le fais pas dire. Ah, skip. Oh oui, non, mais t'inquiète, Père Blaise. Hein. T'inquiète. C'est juste Smash. Sur l'île, on a les mêmes points de caisse que nos concurrents et on les dépose à l'entrée de la ville pour que les forces d'ordre puissent nous contrôler sur le retour. Je ne suis pas un usurpateur, Berlu. C'est vrai, tes copains? Genre, t'es le vrai? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as inventé dans ta vie, tes copains? Vas-y, si t'es un vrai. Si t'es le vrai, tes copains, qu'est-ce que t'as inventé? Après, je suis pas jaloux, il a même pas lâché son prime ici, c'est vrai que... Ah merde. Ah putain, c'est la grue. Aïe aïe aïe. Ils ont peut-être eu la même idée de pseudo. Compte créé il y a 17h, follower depuis 17h. Pas sûr qu'il y ait eu la même idée de pseudo. Pas sûr, hein. Le mec ose dire je ne suis pas un usurpateur. C'est terrible. C'est terrible. J'ai créé M6, c'est vrai tes copains? Bah, je suis content pour toi. Merci beaucoup! Vivement les 11h de live cette nuit. Merci Lodé pour le Prime, premier mois d'abonnement, bienvenue à toi. Merci NRV, merci beaucoup pour le Prime, troisième mois d'abonnement, vivement cette nuit, on va se régaler cette nuit. On va se régaler tous ensemble, bien sûr. Tous ensemble. Ça va être incroyable. Pas la chaîne mais le bot, Berlu. Qu'est-ce qui... J'ai créé M6. Pas la chaîne mais le bot. Le bot M6. Ah ouais, c'est vrai tes copains? Raison, c'est incroyable. Bon, l'usurpateur d'identité là, c'est soit tu lâches ton prime tout de suite ou soit t'es ban. On a le droit à ça? Je vais me faire ban moi ou pas? Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Il crée des pseudos là pour essayer de créer la confusion. Tiens, vous voyez la caisse là-bas? Hop là, ramassé. Ça c'était les concurrents. Ça, c'était les concurrents. Oh, l'erreur. Ah, on n'a pas le droit. C'est interdit. Ah ouais, c'est interdit. Bon, alors,
Vu qu'il essaye de, d'usurper son identité, c'est autorisé ça ou pas, Lyon Super? On a le droit ça ou pas? Je pense qu'il mérite de la pub. Ah oui, c'est vrai, un peu de pub, tiens. Ah oui, c'est pas bête ça. C'est vrai qu'un peu de pub. Allez, bim. Un peu de pub. J'usurpe rien. J'ai écrit copain, pas copain. Putain, il va être insupportable lui. Allez, on le laisse. On le laisse dans sa pub. Oh non. Ah désolé, bah désolé. Oh non. Oh non. Oh là là. Oh pas la pub. Oh là 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 là. Pub. Surtout une pub sur la crème garnie. Hop la pub. Eh oui, enfin eh oui. Eh oui. Comme ça on est entre vrais. Entre vrais. Quelle pub? Ah quelle pub vous parlez en fait là? Si, si. Non non y'a pas Moumé, y'a pas. Y'a pas. Sorry Moumé. Sorry. Rien du tout, ça rapporte rien du tout. C'est juste pour faire chier. Un million. Ça rapporte des millions. Let's go. Y'a pas eu assez de pubs pendant la Pacifique, c'est dommage. Ouais, j'ai vraiment pas envie d'abuser sur les pubs en vrai. C'est comme les rediffs sont disponibles à tous. Je sais pas. Je me réabonne, mais c'est vraiment parce que j'aime pas les pubs. C'est vrai, Alcazor, merci beaucoup Alcazor. Merci énormément pour le tiers, un troisième mois d'abonnement. Merci énormément. À quand le prochain couscous pour que tu dégivres ton congélateur? Non, le congélateur est bien, hein. Le congélateur est nickel, hein. Je mets même des glaces dedans là. Cana, merci beaucoup pour le Prime. Premier mois d'abonnement. Le train de la hype approche? Mais non. On y est? Y'a un train de la hype? Y'a un train de la hype? Est-ce qu'on va arriver au wagon numéro 5 du train de la hype? Sachez que ça n'est jamais arrivé sur ce stream. Ça n'est jamais arrivé. Je sais pas. On verra. Lyon Super, merci beaucoup Lyon Super. Merci beaucoup. merci beaucoup Lyon Super. Merci énormément pour le troisième mois d'abonnement. Merci pour le tiers. Hein. Skunk! Merci pour le tiers, hein. Premier mois d'abonnement. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on est au level 2. 40%. Bonjour, Finky. Mais non, Silmestra, c'est vrai. Merci beaucoup pour Kyanzel. Pour le subgift à Kyanzel, Silmestra. Merci énormément. Peut-être que pour la première fois, le train de la hype arrivera au wagon numéro 5. On l'espère tous. Merci beaucoup Juju pour les 100 bits. Alors peut-être 13, merci beaucoup pour le subgift. Alencore.
Détart, merci beaucoup pour le Prime Gaming. Merci énormément. En plus, vous pouvez gagner une emote. Le wagon numéro 2 est terminé. On arrive au wagon numéro 3. Alors peut-être... en exclusivité, ça n'est jamais arrivé. Et si on arrive au level 5, on aura le droit. Les pigeons se fondent dans notre paysage urbain. Les rares fois où on leur prête attention, on ne voit que des parasites. Et non des merveilles de la nature. Mais non. Le train, je peux même pas parler dans le chat, grand sourire. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non, on est où là? Mais non, attends. Zarno, merci beaucoup pour les 5 subgifts. Romdune, merci pour les 500 bits. Moumé, merci pour les 10 subgifts offerts à la communauté. Merci énormément. Merci beaucoup. Niveau 4 terminé, on est au level 5, 29%. C'est du jamais vu. Diabalzan, mais non, mais il y a Diabalzan. Mais non, incroyable. Merci beaucoup, Diabalzan. Merci beaucoup pour le bon Doug. Les pigeons se fondent dans notre paysage urbain. Les rares fois où on leur prête attention. Ça va, Diabalzan? Que des parasites et non des merveilles de la nature. Calmez-vous. Les rares fois où on leur prête attention. Allô, j'écoute. On ne voit que des parasites. Ça va et toi? Et non des merveilles de la nature. La prochaine qu'est-ce qui tombe, je pense que tu vas prendre Joe avec toi. Joe? Allô. Ouais. OK, d'accord, ça marche. Parce qu'en plus il a jamais vu Caillou, donc OK. Sans plus vous serez deux. Ça roule, voilà. Ça marche. À toutes. Vas-y. Mais non, mais c'est... Mais non! Non mais attendez, il y a tout qui se passe. Les pigeons se fondent dans notre paysage urbain. Les rares fois où on leur prête attention, on ne voit que des parasites et non des merveilles de la nature. 195% Lyon, super! Attendez, parce que là, vous avez craqué, là. Zarno, merci pour les 5 subgifts. Romdune, merci pour les 500 bits. Moumé, merci pour les 10 subgifts. Diabalzan, merci pour le subgift offert à la communauté. Bonjour à toi, Diabalzan. Drassir, merci pour les 5 subgifts. Romain, merci pour les 5 subgifts. Giggs, merci pour les 1500 bits. Romdul, merci pour les 400 bits. Marzen, merci pour les 5 subgifts. Parapouette, merci pour les 100 bits. Tielu, merci pour les 2 abonnements offerts. Train de l'hype, 195%. Arrêtez tout. On a réussi. Merci React de Bif, merci beaucoup pour le Prime. En exclusivité. Quelle journée exceptionnelle, n'empêche. Quelle journée exceptionnelle. Oh, dis donc, c'est fou. Oh là là, on ferme la boutique. Oh. Et avec ce soir, avec cette nuit, ce qui va se passer en plus. Oh là là, c'est... Ça va être beau, hein, vraiment. Dis subgift de Moumé. LS. Ok. Ça fait quoi d'avoir un niveau 5 pour la première fois? Je suis un peu tout excité. Hein. Pour tout avouer, je suis un peu... Moumé, il fait quoi? Moumé, il l'envoie sur qui, Sarou? Ça va, Joe? Salut! Ça va, Joe? Ça va et toi? Bah oui, ça va! Ah, oh, ça fait longtemps! Bah oui, ça fait longtemps, t'étais où donc? Ah, bah j'étais à Vegas. Bah oui. Rencontré, si tu veux. Ouais. T'es où là que je te rejoins dans ton hélico là? Tout de suite. Attends, faut que je regarde si. Comme... Mais t'es où toi là? Là, je suis au camp là. Ah, t'es au camp? Va sur les. Je t'envoie une position. Et puis va là-bas, ok? A toutes. Ça marche. J'ai besoin de trucs en particulier ou. Ouais, une accord. Ah oui, ça marche. Ok, allez, à toutes. À toutes. Mais non, mais calmez-vous en fait là. Arrêtez, stop the cunt. Feu. Ah, ok.
calmez-vous. Joe. Merde. Oh là là. Merci beaucoup Aesan pour les 10 subgifts offerts. Merci énormément. Merci Pericox pour les 500 bits. Merci React de Beef pour le Prime. Merci beaucoup. Les roues là. Oui, bah je sais, mais je suis débordé là. Faites-moi un topo là. Moumé et Aesan. Ça fait beaucoup de roues là, non? Non, ça fait deux roues, non? J'ai oublié quelqu'un? Nariel. Nariel, ça dégage. Allez hop. Nariel, ça dégage déjà pour Moumé. Déjà. Déjà dans un premier temps. Merci beaucoup pour le train de live. Hein. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes des amours. Bon bah 6h pour Nariel, ça dégage. Il est quelle heure? 17h21, c'est bon, elle sera là pour cette nuit. Ça sera incroyable. Et ensuite, Aesan, c'est sur qui? Sur Nariel aussi? On n'a pas le droit. Ah quoi que c'est des subgifts, on fait un peu ce qu'on veut, non? La modération est encore là ou pas? Faudra penser à désactiver le chat en sub-only là, au fait. Sur Moumé. Ah, c'est beau ça. Ah oui, c'est beau. Ah, je dis oui. Ah, je dis oui. Cinq minutes. Putain, il a failli perdre son VIP, Moumé. Merci beaucoup, Aesan, pour cette roue. De 5 minutes, c'est vrai que ça aurait été plus beau s'il perdait son VIP. Le train niveau 5 pile poil le jour de l'incroyable rediff du jour 6 de l'épisode, comme par hasard. Comme par hasard, enfin, c'est beau. C'est beau. Il aurait mérité Moumé, il se saccomme clairement. Merci, merci infiniment pour le train de live, merci beaucoup. Vraiment, vous me régalez vraiment. Surtout qu'il a déjà perdu son VIP en juillet, mais il méritait de le reperdre. Par contre, c'est quoi ces hélicos là? Y'a du trafic, hein? Ça, c'est Dog Place, ça. Je pense. Là-bas, il y a un autre hélico. Caillou hélico. Salut Clemso. Ah, c'est un peu caillou hélico. On approche doucement des 1513, c'est vrai? Putain. Putain. Putain, les 1513. Je pensais pas le faire si tôt. Minutes. Mais non, Sylmestra, mais non, attendez. Non, attendez, Sylmestra, ça arrivera petit à petit. Vous inquiétez pas. Mais non, on se fait raid en plus? Mais non, Mephisto. Oh, le gros raid. Non mais calmez-vous là! Merci beaucoup Giggs pour les 10 subgifts. Merci énormément. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez? Merci énormément. Merci beaucoup. Hein. Regardez Berlu depuis un moment et se rendre compte qu'aujourd'hui que j'avais pas follow. C'est vrai? Mais non, encore un gros raid? Lyon super, oh le gros raid! Incroyable! Giggs, il nous faut quelqu'un là. Hein. Il nous faut une victime là pour ta roue. Hein.
C'est l'effet des annonces. Salut les Raiders. Il parle pas Giggs, c'est terrible. Mais non, mais on se fait raid encore. Mais non, Frogs. Oh le gros raid. Oh là, c'est incroyable. Vous êtes vraiment con. La roue, bah oui la roue, mais il a pas dit, il dit personne Giggs. Il a dit quelqu'un? Les gens ils offrent des subs, mais ils ne parlent pas, c'est vrai ça Finky, c'est insupportable. Giggs, tu m'entends ou pas? Je suis mute? Je suis mute ou pas? On est en overbuzz, mais non. Combien de bots vous croyez là? Y'a beaucoup de bots ou pas? Choisis ta carte blanche. Eh non, y'a pas tant de bots que ça hein. Eh non hein. Oui. Ouais, sûr. Ouais mais attends, j'attends de voir la caisse où elle tombe. Attends, je te rappelle. Ça marche. Merci beaucoup Equinox. Equinox, merci beaucoup. Attendez, calmez-vous là. Non mais c'est insupportable. Equinox, merci beaucoup pour les 10 sub gifts offerts à la communauté, merci beaucoup. Yazoo, merci pour le gros raid. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, y'a que des bots, ah oui c'est de ma faute, oui j'ai dit y'a des bots. Mais non, y'a pas tant de bots que ça en vrai hein. Putain. Putain, j'avais plus pensé à ça là. C'est plus trop là. Oui. Oui, désolé ton attente, on a beaucoup de flux qui cassent les couilles. Mais c'est où? C'est LS ou chez moi? C'est LS. Ah LS. Parce que faut que j'aille chercher Joe moi. Oui bah, oh, bah j'y vais. À tout. On vient seulement le récupérer, on a tout le monde envie donc vas-y. À tout. Bon du coup il y a deux roues là. Et du coup, on sait pas qui c'est là. J'ai l'impression de me noyer dans les bananes. Putain. Là, j'ai fait le con avec les bots là, j'y pensais plus à ça. C'est déjà le bordel là, j'ai déjà énormément de retard. Faut que je conduise un hélicoptère à la manette. Faut que j'aille chercher Joe. Faut récupérer des caisses. Y'a des timings à respecter. Et Et là, bah, je suis perdu là. Ou bien raid je crois. Purée il arrête pas de râler. Hein? Tu veux que... Et toi tu vas aller râler dans ton coin là? Ça va? Tu veux conduire Rico ou pas? Ah putain. Bah attends, je me concentre. D'accord. Parce que je peux pas, j'aime pas trop parler et conduire Rico en même temps. Ah oui, non, moi non plus, ouais, je comprends. Bon, du coup, Giggs, c'est sur qui la roue? Merde. Et la deuxième roue, c'est sur qui aussi? Astoria, merci beaucoup. Troisième mois d'abonnement, merci beaucoup Astoria. Tiers 1. Moi la deuxième.
Sur Moumé ? Ah mais il a pas le droit je crois. Ça c'est lui qui s'est pris la dernière Moumé non ? Ah, t'as jamais été sur Caillou hein ? Non jamais, jamais. C'est quoi c'est ça là en face ? Ouais. Est-ce que tu veux que je te lâche à l'aéroport, que tu prennes une moto et tu fais un petit tour et je te renverrai ma position et comme ça tu me rejoins? Ah bah si tu veux oui. Vas-y. Comme ça tu pourras... Pourquoi il y a des motos à l'aéroport? Ouais des motos ou des voitures, ça dépend. Attends, tiens, attends on va regarder. Oui, d'accord. Comme ça tu fais le petit tour et puis moi je vais être de l'autre côté de l'île comme ça ça te permet de la... Ah sinon il y a un bateau en bas là. Ouais mais en bateau c'est nul à chier. Ah, je sais pas où. Ah, mais arrêtez! Mais c'est immense! Putain, mais quelle chaleur! Vous allez me mettre mal à l'aise là! Mais y'a rien là, attends. Avance! Attends, on va aller ailleurs. Merci énormément, hein. Merci beaucoup. T'as bien plein de bateaux. De quoi ? Bien plein de bateaux. Ah oui, il y a plein de bateaux, oui. Attends, je sais où on va aller, attends. Mais y'a rien. Putain, mais c'est terrible. Ah oh ouais. Ah c'est ça la ville là que on veut parler là. Ouais ouais c'est ça la ville là. C'est ouais. Attends je trouve pas de... Putain mais... C'est dingue. Ah si tiens y'a un petit, une petite jeep là. Ah nickel. Plus qu'il me faut. Moi je me gare à côté de l'antenne qui est derrière nous à gauche. Enfin derrière nous là. Ah oui d'accord. Ok bah tu me dis quand, quand je t'envoie. Bah fais-toi un petit tour et tu me rejoins je t'envoie la position puis quand tu veux tu me rejoins. Ok ça va. A tout de suite. Eh mais t'as des cheveux Joe. Je t'entends pas. Je t'entends pas, parle plus fort. Ah ouais, j'ai les cheveux, oui. Ah ok, putain. Bon, à tout de suite, hein. À tout de suite. Bon, attendez, parce que là... Là, vous êtes des dingues, hein. Merci beaucoup Equinox pour Eddie Subgift. Merci Astoria pour le 3ème mois d'abonnement. Merci Papache pour les 10 subgifts. Merci Romain pour les 6 subgifts. Merci Silmestra pour le subgift à Slayers. Et merci Torpen pour le subgift à Copain FR. Merci énormément. Non Zarno il manque plus de sub, c'est parce qu'il y a un léger retard. Il manque plus de sub, arrêtez. Il manque plus de sub, vous inquiétez pas, c'est pas actualisé. Calmez-vous. Merci énormément, franchement, merci beaucoup. Tout ça parce que je pense que vous êtes content que cette nuit il va se passer quelque chose d'incroyable sur cette chaîne Twitch. Non, il en manque pas, Silmestra, il en manque pas. Tout ce qui... Voilà, c'est actualisé, 1525 subs.
Merci infiniment. Merci, merci vraiment infiniment. Du coup, on a énormément de routes de retard. Je crois qu'on en a 4. Une sur J'ai pas de pseudo, une sur Moumé et les deux autres. Parce que du coup, j'ai pas pu trop regarder. Subgoal atteint sans jamais avoir fait de train de la hype niveau 5 en plus. C'est incroyable, Dave John, c'est incroyable. Tu pourrais au moins forcer une larme pour l'émotion. C'est vrai que je pourrais. Mais non. Mais non. C'est incroyable. Merci trois petits chats. Merci pour Galdor. Merci beaucoup. Merci énormément. Voilà, je suis ému. Un Oscar. What the fuck? Les roues, il me faut une réponse pour les roues là. Hein. Parce qu'après on pourra plus les faire tourner. Hein. Après il y a Joe, donc on va jouer. Hein. Faut trouver un autre goal maintenant. Faut surtout pour l'instant faire les fichiers Waze. Faut surtout faire les fichiers Waze. Mais Lee, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Meul 12, et donc il en manque une encore. Equinox, Meul 12, ok. Et il reste Papache. Canopé, merci beaucoup pour le tir. Merci énormément, Canopé. Bienvenue à toi, premier mois d'abonnement. Ils ont dit sur moi, tu vois, nanani, nanana. Moumé, j'ai pas de pseudo. Meul 12, sur lui-même, il a dit. Allez. Première sur Moumé. Première sur Moumé. Sur lui-même, Papache, il a dit. Première sur Moumé. Dix minutes. Deuxième sur Meul 12, allez. Deuxième sur Meul 12. J'ai pas d'option, on le fera en dernier vu qu'il est modérateur. Il mérite plus, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Meul 12 qui est gracié. Celle-là sur Papache. Mais si t'as une rouge et pas de pseudo, t'as la route Giggs. Papache, c'est 2 heures. C'est 2 heures. C'est 2 heures et j'ai pas de pseudo, il a bien une roue. Non ? Oh, vous me perdez. Il y a une roue qui a pas été faite là, hein. Je suis désolé. Hein. Là, il y a une roue qui a pas été faite. Hein. Même si on a pas une, il la mérite. Dans le doute, mais lui. Bon, eh. Dans le doute. Non, dans le doute, on va là. Dans le doute. Dans le doute, c'est pour Marseille là. Qui demande une roue depuis tout à l'heure. J'espère qu'il va se prendre 12 heures. Il en manque une, mais c'est pas sûr. J'ai pas de pseudo. Dans le doute, c'est sur Marseille. Allez hop. Dans le doute. Allez, 2 heures. 2 heures pour Marseille qui demande une roue depuis tout à l'heure là. Comme ça, ça dégage et puis voilà. Voilà. Ça existe le FC Gracier? Non, ça n'existe pas, Meul 12. Tu veux créer le FC Gracier? Bon, on en est où là? Oui? C'est recommandé ou pas là? Non, là je les remonte là. On a eu des petits soucis. Bon. Ah, c'est toujours pas commandé, d'accord. Si, bah alors tu vois, en fait, on en a déjà récupéré une encore. Et là je remonte et je relance la dernière. Ok, c'est la dernière et on arrête? Oui, oui, parce qu'en plus tout le monde va y aller après. Ok, ok, d'accord. Ça roule. Nickel. Donc voilà. A tout. Je speed.
Ah, merci, merci infiniment, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à vous. Du coup, on va faire ça. Va falloir s'occuper des fichiers Waze. On va essayer de faire ça d'ici la semaine prochaine, non ? Je vais rechercher tout ce qu'il faut. Enfin, toutes les indications à faire. Enfin, toutes les indications. Tout ce qu'il faut enregistrer, vous voyez, par exemple tourner à droite, tourner à gauche, tout ce genre de phrases, et puis on verra si on réfléchit peut-être ensemble à ce qu'on peut faire, s'il y a des trucs drôles à faire ou pas. Et je sais pas, un petit wow. Ah mais non, mais ça c'est pas Francis Cuc, notif, faut que je le sample. Ah wow. Ouais, pour le Waze avec Francis Cuc. Salut Wyatt. Ceinture. Oui, tout va bien, nickel. Je suis sur Caio. Alors, quoi de beau, Joe ? Eh ben, c'est sympa. C'est vrai qu'il faudrait que je retire mon masque et tout. C'est sympa, t'as fait un petit tour partout ou pas ? Ouais, pas partout, je suis allé voir les trucs des véhicules. Ouais. Et après, j'ai perdu mon Magic, du coup, bah, je suis arrivé direct. Comment ça ? Bah, j'ai pas avec quelqu'un qui a pris ma Jeep. C'est vrai ? Ouais. Ah merde. J'ai pas retrouvé en tout cas. Ok. Ok. T'as été au bar ? Ah, y'a un bar ? Non, j'ai pas été au bar. Ouais, au bar de la plage. Oh, et, puis, et puis là, c'est l'antenne. Alors là, ici, là, c'est ouais. Que les champs de drogue là. Ah ouais, j'ai vu, ça pue. C'est vrai ? Ah, ça, genre, j'aime pas ça, ouais, ça pue. Ah, ah, faut se méfier, hein, faut se méfier. Ah, y'a des types bien équipés par là-bas, ouais. Comment ça, des types bien équipés, tu t'en as vu des types? Ah, je sais pas, j'ai vu des types pour garder des petites bicoques avec des armes. Ah oui, faut se méfier. Et là, ouais, derrière, c'est la grosse ville. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu survolé, mais faut faire gaffe. Ah oui. Ah ouais, faut éviter. Hein. Mais elle est qui là, il Ah putain, je sais plus comment il s'appelle ce con là. Don Pueblo ou je sais plus quoi là. Ah oui. Rubio. Ah d'accord. Rubio. Et Rubio, l'autre jour, on l'a vu, il était pas dans sa ville. Ah oui? Ah, il était dans le hangar là-bas de l'aéroport. Ah merde. Enfin. Mais bon, ouais, au début c'est rigolo et tout, mais bon, tu vois, c'est un peu chiant. Ah oui. Ah, parce que du coup, il y a des caisses qui tombent aussi là. Ouais. Et Brokers aussi, tiens, j'ai vu des caisses à eux tout à l'heure. Avant que t'arrives. Ah oui. Mais faut faire gaffe, à chaque fois que tu viens ici, c'est gilet par balle à corps. Ouais, bah j'ai dans le sac le gilet. Parce que ça craint. Bah ça a l'air, ça a l'air. Et y'a pas de keuf, ici. Non, rien du tout. Ah ouais, du coup c'est zone de non-droit quoi. Ouais, un peu ouais. Salut Sweetou. La vache. Mais bon, ouais, toi vu que tu sais pas conduire d'hélicoptère, tu vas pas être emmerdé à venir ici toi, petit malin hein. Eh bah, hé. Toi aussi tu peux dire que tu sais pas conduire d'hélicoptère. Bah pourquoi? Non, c'est un peu niqué. Oui. Bah, si je veux pas dire. Bah oui, mais je suis pas à l'aise celui avec l'hélicoptère. Aïe. Tu vois, j'ai besoin de me concentrer, je peux pas trop parler, tout ça quoi. Après, on peut m'apprendre, mais bon, j'avais appris quoi. Alors par contre, il faut venir en dodo, sachez faire. J'ai pilote des avions. Oui, c'est drôle, 5 minutes, c'est super. Bah, et toi? Bah, ça va. Et à toi, Etayron? C'est vrai? Ouais, j'ai buté. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Il était où? Il était à Vegas, ce con. Ah. Bah oui, c'est pratique de se cacher dans ma ville. T'as pas vu J.E.? Bah non, du coup, je l'ai pas vu. J'ai ah, merde. Dedans,
Ah, j'ai mis du temps. En fait, j'ai eu un tuyau comme quoi il était à Tyrone. Il était à Vegas, le Tyrone. Ouais. Du coup, j'ai mis un peu de temps à le retrouver. Quand j'ai retrouvé, j'ai torturé pendant une semaine. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais être rentré. Oui. Et parce que ça fait combien de temps que t'es parti, là? Ah, ça fait un mois au moins, un mois. Oui, putain. Ouais. Et je me rappelais plus du son de ta voix, Joe. Ah bon? Ah non? Bah, quand même. Bah, si, si je te le dis. Puis avec tes cheveux et tout, là, dis donc. Beau gosse, hein? Du coup, je les ai laissés pousser. Ouais. Et tu vois. Victor, il veut que je les rase. Ah bon? Ouais. Tu vois, ce qui est bien ici, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Ah ouais? Ah, ça, c'est bien ça. Oui, oui, j'ai pas le pseudo. Ah ouais, j'en ai pas non plus, hein. Dommage. Ah, par contre, c'est calme. Ouais, bah c'est que des hélicos qui tournent. Ouais, ouais. Et y'a un sale trafic de tortues aussi. Dans lequel Opie est impliqué. Ah oui, bah y'a quoi? Dans lequel Opie est impliqué. Ah ouais. Opie, il pêche de la tortue, ouais. Ah ouais, j'ai croisé un type, il m'a dit amène-moi 20 tortues. J'ai pas ton temps, moi, j'en ai rien à foutre de tes tortues. Ah bah tu demandes à Opie, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Opie, lui, il aime ça. Mais on m'a dit que c'était lucratif, les tortues. Que c'était quoi? Lucratif. Oui. Oui, c'est pas mal lucratif, ils gagnent bien leur vie, les types, hein. Ah oui, je sais pas, les... Il y a des types là, qui veulent bosser pour nous, là, j'ai pas trop compris l'histoire. Apparemment, ils seraient plus de thunes que nous avec des tortues. Oh bah, tu sais, la tortue... C'est une nouveau en espèce de disparition, mais là ça va complètement disparaître à ce rythme-là. Hein. Ah bah j'imagine, oui. Enfin. Ouais, enfin. C'est ce qu'on a fait hier, Joe? Ouais, Victor Manu, oui. Ah ok, d'accord. Bah c'est bien, bravo. Bah oui, c'est bien. Ça faisait longtemps, tu... Oui, ça faisait longtemps. Oh. Et tu vois quoi? Je vois ce qu'il faut. Ah, tu vois, il y a un hélicoptère qui va faire le plein là-bas. Même deux hélicoptères. Ah, c'est là pour faire le plein là? Ah, c'est là-bas, ouais. Il y en a un qui bouge pas du tout, même. Il est posé sur le truc ou quoi? Normalement, sans. Ah, oui, il est posé. Ah, oui, il est posé. Il redécolle. Ça LS. Allez hop, c'est bon, c'était la dernière, on y va. Allez. Salut Xeis. Non, comme quoi j'ai été utile. Y'a que des trolls là ou pas là? Mais y'a pas mal dans les hélicos là. Y'a que des trolls sur le chat, hein. Oui, il est pas mal, bah il est volé, hein. Bon, allez, je me reconcentre, hein. Ça marche. C'est la journée du troll. Le millésime 25 août et pouf. Allo? Yes, c'est récup, c'est la. Oui, oui, tiens, on arrive. On rentre, okay. Calme du coup. Vas-y. On se pose au camp. Hein. Yes, ça marche. A tout. Vas-y. Bientôt la fin des vacances, c'est pour ça que tout le monde en profite, et oui. Et que font les parents, hein? Mais du coup, tu vas où, Lyon Super, là, t'as pas dit? T'as dit que tu prenais l'avion, mais t'as pas dit où t'allais. À Lisbonne. Lisbonne. En Grèce, bien sûr. La Grèce, quel beau pays. Quel beau pays, la Grèce.
Oui, je connais bien, tout ce qui est tout ce qui est ville, pays, tout ça, tout ça. Lisbonne super, Lisbonne super. Arrêtez, il va mal le prendre après. Oui, tout ce qui est pays nordique comme ça, je connais quand même bien. C'est un peu mon dada la géographie. Salut Ryder, merci beaucoup Xes, merci énormément pour les 10 sub gifts. Encore une roue. On s'ennuie en hélico là, faut une roue. C'est sur qui? C'est sur qui Xace? Qui? Qui? Sur Shimefire. Le pauvre Shimefire. Et hop! Ah, ça fait du bien d'être sur la terre. Attends, je vais pisser parce que là j'ai trop envie de pisser depuis tout à l'heure. Eh bah, bon pipi! Une petite roue sur Shimefire. Merci beaucoup, Xez, pour les 10 subgifts. Merci énormément. Mais je veux bien la roue spéciale. Ben non. Ah oui, tu veux bien que ça tombe sur la roue spéciale. Mais bon, faut désigner quelqu'un. Donc ce sera sur Shimefire. Ah non, on l'a passé, là ça va être dur. Hein. Oh, 12 heures encore pour Shimefire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, quel plaisir. Du coup, il arrête pas de se faire ban 12 heures lui maintenant. Maintenant qu'il a eu son FC banni, il est bien. Il arrête pas de se faire ban 12 heures depuis, alors qu'il l'a longtemps espéré. Yes. Et vous êtes où? Là on fait juste réparer les bécanes parce que bon elles ont... Ah ok. Elles ont pas mal roulé là. Ok ok. Bon d'accord. J'ai ton... Devon il m'a filé ton AK. Comment ça mon... la mienne? Bah je sais pas, il m'a dit ça à Tyler. Pourquoi il prend la mienne? Bah je sais pas. Pourquoi il en a pas une à lui? Je sais pas. Il l'a toujours pas vu? Je sais pas. Bah ça, ça doit me le dire. Tu l'as fait rencontrer ou pas? Non. Non non je... Non ah. Non. Ok. Oui bon. Bah ouais, faudra quand même qu'il en prenne de son nom ouais. Ouais bah oui je sais hein. Quand même. Tu l'as rien dit. On est avec Joe. Tu l'as rien dit. Bah non, moi, bah c'était vu avec toi, je pense. Moi, je sais pas, je l'ai bah, pas vu la prendre. Bah moi, je l'ai pas vu la prendre. Je l'ai croisé, il m'a dit tiens, j'ai la 4 Tyler. J'ai dit, il me fout une AK, il me dit bah tiens, je te la donne, c'est celle de Tyler. Bah j'en foutrais une alors. Bah si tu veux, oui. Si tu veux, oui. D'accord. En bas toute. Ça marche. Vas-y. Oh, il m'emmerde.
Magasin. Parce que c'est la 4 Tyler. Ah. Tiens, je vais aller la poser, j'arrive. Les infos sont précises. Bah oui, mais les infos sont précises. Et pourquoi je suis... Hop. AK. Tyler. Hop là. Merci beaucoup Xez pour les 20 subgifts. Merci énormément, on va faire tourner la grande roue du coup. Merci Foali97, merci beaucoup pour ton Prime deuxième mois d'abonnement. Merci énormément. Mais quel commercial de génie se permet. Non, DXU, non, c'est vraiment sincère quand je vous dis stop, please. Stop. Please. Merci. Merci. C'est The Big Roux. The Big Roux, messieurs, dames. Oh, Xez qui est star pendant une semaine. Et le problème, c'est qu'il vient plus, Xez. Merci beaucoup, Dream, pour Matural. Merci énormément. Je vais devoir venir plus souvent. On a une star dans le chat. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je partais bouffer. Ah, ok. Il est où Tyler? Allez, ce soir. À ce soir. Bah, il était là. Non, je l'ai pas vu. Il était en train de ranger sa moto, ouais, je crois. Ah, t'es là? Mais c'est quoi ça? J'ai rangé ton AK, hein. Ok, mais c'est quoi ça? De quoi ça? Cette coupe? C'est mes greffons. Ils pouvaient pas te greffer partout? J'ai pas eu le temps. Ah, faudra que j'y retourne pour me faire greffer les côtés. Ok. Eh oui. Eh oui. Ok, ok. T'as pas mis à jour, j'imagine. Non, rien du tout, non. J'ai pris deux canonciers, au fait. Et j'ai perdu ma guse. Chez nous? Ouais, chez nous. Depuis hier, j'ai pris deux. Un hier et un aujourd'hui. Et ma guse aussi que j'ai perdu. Ok. Et du coup, j'ai remis une AK à toi. Ok, ok. Je viens de la reposer. Bon, bah, vous avez vu Wyatt, non? Oui. Il m'a écrit. Ouais, on l'a croisé. Ok, ok. Bon bah je vais me coucher aussi hein. Yes, ça même. Ah ouais, tout le monde. Bah oui, Joe, il y a bah Wyatt, oui. Il a Wyatt, ouais. Si tu veux. Appelle Wyatt. Ah, il y a Wyatt. Ouais. Oui, il est en ville. Il est en ville là. D'accord, bon je vais aller faire chez Wyatt alors. Vas-y. Ça marche. A plus les gars. A plus. A plus, voilà ce soir. J'ai pas réussi à avoir Star mon téléphone. Ok, ok. Ouais, bon bah on verra. T'es là soir ou pas toi? Je sais pas, je peux passer vite fait pour Devon au pire s'il est là. Ouais, mais alors je crois que lui ça va être tard. Bon bah on verra bien, mais sinon... Ouais, ouais, non mais ça presse pas, hein. Vraiment ça presse pas. Ah non, mais ouais, mais non, mais là pour le coup j'ai pas essayé d'avancer. Ah oui, 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 non mais c'est pas soir, c'est pas grave, Stan. Yep. Ok. Yep. C'est quoi qui passe dans le train? Bah allez, à toutes.